right, good afternoon, everyone. Bonjour tout le monde, bon après-midi. I want to begin by welcoming all of you, my colleagues, committee members, Mr. Justice Marc Nadon, Maître Jean-Louis Baudouin, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, bienvenue à cet événement historique. This is a very important and historic day here on Parliament Hill. And I welcome my colleagues back to Ottawa. I'm sure that you had a very busy and fruitful summer in your constituencies. And on this occasion, members of Parliament, acting on behalf of all Canadians, will once again have the opportunity to engage in a rare direct dialogue with our most recent nominee for the Supreme Court of Canada, a process that the Prime Minister outlined just 2 days ago in his announcement on September 30th, 2013, of Justice Nadon's nomination. The Prime Minister announced at that time that the nominee would appear at a public hearing of an ad hoc committee of parliamentarians to answer questions from members of Parliament. The goal of today's hearing is, of course, to inform the Prime Minister's eventual final decision with respect to the next appointment to the Supreme Court of Canada. Cette procédure a été suivie auparavant, d'abord lors de la nomination du juge Marshall Rothstein à la Cour suprême du Canada en 2006 et plus récemment lors de la nomination du juge Adromash Kerakatsanis et Michel Moldover en 2011 et finalement pour les nominations récentes du juge Richard Wagner en 2012. This process, which was begun by our government, this public hearing process, is intended to bring greater openness and transparency to the judicial appointment process by allowing Canadians, through this procedure, to learn more about these individuals who may be appointed to the Supreme Court of Canada, our highest court in the land. The selection process and search for a replacement began after Mr. Justice Maurice Fish gave notice of his intention to resign from the court effective August 31st, 2013. Now, in keeping with the announced process and in view of the fact that we are replacing one of the three judges from the province of Quebec, La Belle Province, je suis très heureux d'annoncer que j'ai pris le temps pour consulter avec le procureur général du Québec, myself as well as my predecessor, Mr. Nicholson. Minister Nicholson consulted with the Attorney General of Quebec as well as senior members of the Canadian judiciary, including the Chief Justice of Canada, as well as with prominent legal organizations, including the Barreau du Québec and the Canadian Bar Association, all with a mind to identifying a pool of qualified candidates for appointment to the Supreme Court of Canada. Members of the public were also included in this process and provided the opportunity to submit input with respect to qualified candidates who would merit consideration. The list of qualified candidates was then reviewed by an all-party selection panel composed of five members of Parliament from the government, as well as other recognized parties as selected by their respective leaders. The members of the selection panel were, and I note that four of the five are present with us, the Honourable Shelley Glover, Deputy Jacques Gourde, Deputy Robert Gauguin of the Conservative Party of Canada, Françoise Boivin of the New Democratic Party, Deputy, and Deputy Dominique Leblanc, the Parti Libéral. The selection panel was given the very challenging task of assessing eminently qualified candidates and then provide an unranked list of their top three choice as qualified candidates to be provided to the Prime Minister and myself as Minister of Justice. To help ensure a full, balanced and objective process and assessment of these candidates, the members of the panel met to review the resumes that were provided by each candidate, as well as a number of reported judgments covering a variety of topics that might be considered by the Supreme Court of Canada. The panel members also consulted extensively with members of the judiciary and the legal community, including the Chief Justice of Canada and the Chief Justice of Quebec. The Chief Justice of the Quebec Superior Court, the Chief Justices of the Federal Court and the Federal Court of Appeal, as well as the Attorney General of Quebec,
the Barreau du Québec, and the Canadian Bar Association. I want to again thank that panel for their hard work over the summer and the very extensive consultations that I've just outlined that they undertook. Following these consultations, the selection panel completed their report and submitted this unranked list that I referred to of three qualified candidates, which of course included our nominee, Marc Nadon. So before I move to introduce our speakers, who are two in number, I want to address another matter just before we get underway. The Prime Minister's news release announcing the Honourable Marc Nadon as nominee for the Supreme Court of Canada also included a backgrounder with an opinion that was prepared by the Honourable Ian Binney, a former judge of the Supreme Court of Canada. For those of you who had the opportunity to review that opinion, I'm sure you will agree that it was written in very clear and unequivocal language, or as some might say, in plain speak, in English. It was also, of course, made available in the language of Molière, en français. And in short, Mr. Justice Binney, as he then was asked to review certain provisions of the Supreme Court Act as it pertains to the appointment of judges representing the province of Quebec, and specifically to address the issue of eligibility of judges from the Federal Court of Appeal as Supreme Court of Canada justice nominees. As many of you will know, we have several judges on the Supreme Court of Canada who were in fact appointed directly from the Federal Court of Appeal, so there is precedent. Those justice appointees would include Mr. Justice Rothstein, Mr. Justice Iacobucci, and many years before that, Mr. Justice Ledaine. I also note as a matter that we've had a number of justices who were appointed directly from private practice, including Mr. Justice Sapinka, and more recently, Madam Justice Arbour. Having said that, there has not been an appointment from the federal court directly to the Supreme Court of Canada from Quebec. And so the purpose of this exercise in having Mr. Justice Binney examine this issue was to provide the government with an opinion as to whether a person who has been a member of the Quebec Bar for at least 10 years and is now a judge of the federal court or the Federal Court of Appeal would qualify as one of these three judges from the province of Quebec. The conclusion, as I mentioned earlier, was clear and unequivocal. Mr. Justice Binney stated that as long as the candidate has been a member of the Quebec Bar for at least 10 years, he or she would qualify for an appointment to the Supreme Court of Canada as a representative of the province of Quebec. He went on to say that this would clearly include a judge of the federal court or the Federal Court of Appeal. So again, for emphasis, as long as that judge has been a member in good standing of the Quebec Bar for at least 10 years, immediately prior to his or her appointment as a judge. I would add that this opinion was reviewed by several eminently qualified individuals, including the Honourable Louise Charron, as a former judge of the Supreme Court of Canada herself, and the opinion was also reviewed by Professor Peter Hogg, a recognized constitutional expert and author. Both of them expressed unequivocal support for Mr. Justice Binney's conclusions. Donc, cette opinion, je dis en cours, c'est très clair. Et je voudrais dire une grande remercie, Monsieur Justice Binney, for cette clarification et le travail. We thank Mr. Justice Binney for clarifying that point. So, colleagues, moving on to other matters, I want to address just a few procedural issues off the top that will govern today's proceedings. First, as was the case last year at the hearing for Mr. Justice Wagner, we will begin with an opening statement from our constitutional expert, Maître Jean-Louis Baudouin, here to my right. This will be followed by opening remarks of approximately 20 minutes in length from our nominee, Mr. Justice Nadon, and then we will commence two rounds of questioning by committee members present, consisting of 8 and 5 minute rounds, respectively. As chair, I will be responsible, aided by the clerk here, for enforcing these time limits. And the proceedings will end with concluding remarks, again, from Maître Baudouin. Secondly, I just want to inform colleagues here and guests that parliamentary privilege does not apply, I repeat, does not apply to these proceedings. As this is not technically a parliamentary committee, this means that protection from defamation, slander, does not apply. I know this is not
a necessary admonition, but I'm just putting it on the record. The normal protections of parliamentary procedure are not in effect here today, and I leave each of you to exercise your own good judgment accordingly. So we're all judges of our own conduct here. And finally, I want to remind all of you that the eminent member of the Canadian judiciary who has been invited, who is with us here today, will be responding to your questions in a manner that reflect the independence and impartiality of our judicial system. This means that some questions may not be answered fully or at all, which is within his right and, again, his discretion. So to lay out some of the basic ground rules, I remind you that any question that raises an issue of law that might potentially come before the Court of Appeal or Supreme Court of Canada, I should say, as well as any question on matters of government or public policy would not be viewed as appropriate. Consistent with our very Canadian approach to these matters, I would add to the list all questions of a personal nature, that is to say, questions that delve into Mr. Nadon's personal life that do not relate to his professional life or experience, I suggest to you again, would not be appropriate. However, despite this caveat, I understand that Mr. Justice Nadon is an avid golfer, so you may wish to question him on his handicap, the state of his game, distance off the tee. Those questions would be within the purview of his discretion to answer. That may depend on the type of season that he's had this summer. Maître Beaudoin will now explain in more detail the appropriate scope of questions and the constraints on judicial speech for us shortly, more general comments. I would ask that we as committee members respect the parameters within which our nominee is able to respond. And with that said, I now have the great honour and the privilege today of introducing another outstanding jurist as the government's nominee for the Supreme Court of Canada. Mr. Justice Marc Nadon of the Federal Court of Appeal, Monsieur le Juge Nadon est né à Saint-Jérôme au nord de Montréal le 7 septembre 1949. Son père était un joueur de hockey dans la Ligue américaine de hockey dans les années 90, 40 et 60 et un homme d'affaires. Sa mère, qui était la fille d'immigrants ukrainiens et née à Montréal, était donné que le juge Nadon aura l'opportunité de se présenter en plus grand détail. Je vais résumer sa carrière judique de la façon suivante. Il a été appelé au barreau de Québec 1975, pratique avec le cabinet de Martineau Walker à Montréal, où il développait notamment une expertise en droit maritime et en droit des transports. 40 years dedicated to the law. And after almost 20 years in private practice as a member of the Quebec Bar, Justice Nadon was appointed to the federal court in 1993. During such time, he was a judicial member of the Court Martial Appeal Board of Canada and the Competition Tribunal. It was during that time that he was then appointed to the Federal Court of Appeal by the government of Jean Chrétien in 2001. I'm not sure if my friend Mr. Kotler was the Minister of Justice at that time. So, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, colleagues, without any further ado, please join me in extending a warm welcome to our latest Supreme Court nominee, Mr. Justice Marc Nadon. Welcome, sir. So just before we hear from Monsieur Nadon, I'm going to introduce and invite the Honourable Jean-Louis Beaudoin to address us. Maître Beaudoin holds a law degree from McGill University, a fairly good school for law, I'm told. A state doctorate as well from Paris, the Faculty of Law, and a graduate degree in comparative law from the Faculté Internationale de Droit Comparé in Madrid and in Strasbourg. He has been a member of the Quebec Bar since 1959.
Maître Baudouin was a judge of the Quebec Court of Appeal from 1989 to 2009, and prior to that, a professor at the Université de Montréal, Faculty of Law, where he taught contract law, civil liability, medical law, and bioethics. Monsieur Baudouin is also a senior legal counsel with the law firm of Faskin Martineau in Montreal, and is a prominent and well-known member of the Quebec Bar. Over the years, he has collected no less than 6 honorary degrees, and in 2012 was a recipient of the Grand Officer Medal from l'Ordre National du Québec. Throughout his career, he has participated in numerous conferences and international conventions across the globe. He has contributed to processes like this in the past. He's a frequent speaker and a much sought-after speaker, has participated in conventions, conferences, and legal assemblies around the globe, sat on countless medical, legal, and academic committees, and has organized multiple international conventions himself across the country and across the globe, served as a bioethics consultant for the Canadian government, and is the author of more than 100 articles published in both Canada and abroad. So, a very qualified person to be with us today to help us in conducting this committee hearing. And I would now ask the Honourable Jean-Louis Baudouin to provide us with an overview of the constitutional frameworks within which this hearing is to take place. Monsieur Baudouin. Merci, Monsieur le Ministre, pour ces propos très, très, très gentils et très flatteurs à mon égard. Je suis heureux de voir Maître Nadon, Monsieur le juge Nadon plutôt, devant moi, puisqu'il a été dans le bureau où je suis maintenant. Et donc, c'est un honneur encore plus pour moi de le voir devant moi aujourd'hui. Laissez-moi tout dire tout d'abord, d'entrée de jeu, le plaisir que j'ai de me retrouver devant vous aujourd'hui pour la deuxième fois, puisque j'ai eu l'honneur de le faire pour la nomination de l'honorable Richard Wagner en octobre 2012. Aujourd'hui, je le fais donc avec un plaisir renouvelé pour la nomination de l'honorable Marc Nadon, qui est juge à la Cour d'appel fédérale. Le processus de consultation et de dialogue que nous entreprenons aujourd'hui est désormais bien rodé, puisque, sauf erreur, c'est la quatrième fois qu'il se déroulera. Et mon rôle aujourd'hui n'est certainement pas de vous présenter la Cour suprême du Canada. En tant que parlementaire, représentant du public, vous la connaissez bien évidemment. Ma tâche est double. D'abord, je me permettrai de vous donner quelques précisions sur son fonctionnement, mais seulement en relation directe avec la nomination dont vous êtes saisi aujourd'hui, et donc dans la perspective de l'interrogatoire que vous allez mener. Ensuite, selon une tradition récente, puisque ce système n'existe que depuis 2006, mais maintenant bien établi, je voudrais vous rappeler sommairement certains principes et certaines règles touchant l'interrogatoire de celui qui est comparé devant vous aujourd'hui. J'utilise le terme « interrogatoire » dans le sens le plus général du terme, parce qu'on devrait plutôt parler d'une consultation ou d'un dialogue qui doit être franc, ouvert. Il ne s'agit pas ici, naturellement, de faire le procès de personne. La Cour suprême, c'est une évidence, a une importance considérable dans la vie de notre pays et dans la préservation de notre système démocratique. C'est elle, tout d'abord, qui interprète en dernier ressort l'ensemble de plus en plus complexe des lois et règlements adoptés non seulement par le gouvernement fédéral, mais aussi par ceux de toutes les provinces et territoires. Elle a donc un rôle important de veiller à leur compatibilité avec notre Constitution et d'assurer ainsi une unité des valeurs canadiennes. Le juge de cette Cour doit donc faire preuve d'une expérience préalable la plus étendue possible et être un bon juriste. Ce rôle est devenu d'autant plus important depuis l'arrivée de la Charte canadienne en 1982. Cette charte a énoncé et fixé un cadre nouveau pour l'exercice des droits fondamentaux. Mais cette charte, comme vous le savez, est rédigée en termes généraux, contrairement aux lois dites statutaires, qui contiennent en général une foule de détails. Le rôle de la Cour suprême a donc pris beaucoup d'importance
et exige désormais des juges qui y sont nommés un travail plus difficile. La Cour, en effet, a fixé le contenu juridique à des notions générales, comme celle que vous connaissez bien d'une société libre et démocratique, ou de définir ce qu'est la liberté de parole, la liberté de religion. Et ce contenu évolue au fil des ans et demande donc du nouveau juge et de tous les juges de la Cour suprême une faculté d'adaptation à l'évolution de la société. Il se doit d'être à l'écoute de celle-ci. On a parfois reproché, à tort à mon avis, que l'arrivée de la Charte avait permis au pouvoir judiciaire de se substituer au pouvoir législatif et que désormais le Canada était gouverné par les juges. Leur rôle est certainement bien important, mais est beaucoup plus modeste, puisque dans une société démocratique, le législateur reste suprême. La Cour suprême a toutefois la mission de faire coïncider les libertés fondamentales reconnues par la Charte avec l'évolution sociologique et politique de la société canadienne dans son ensemble, et en ce sens-là, donc, faire évoluer le droit. Tout cela pour vous faire remarquer la grande importance que revêt une nomination à la Cour suprême pour l'ensemble du pays, puisque le profil et les aptitudes du candidat doivent correspondre intimement à la lourde tâche qui lui échoit et à son héritage d'une responsabilité particulièrement exigeante. La Cour, comme vous le savez, n'entend annuellement qu'un tout petit nombre de pourvois, la plupart sur permission. Tous les dossiers qu'elle aborde revêtent donc une importance considérable. Le juge de la Cour suprême n'est cependant pas un pur esprit. C'est un homme ou une femme issue d'un milieu qui lui est propre, qui a bénéficié d'une éducation familiale et scolaire particulière, qui a évolué dans un milieu social différent de celui de ses confrères et qui, dans la pratique du droit et sa carrière judiciaire, a abordé une variété de dossiers et fait face à une kyrielle de problèmes à propos desquels il s'est formé une opinion. Et votre tâche aujourd'hui est de dialoguer avec l'honorable Marc Nadon de façon à vous assurer que ses qualités générales et personnelles en font un candidat digne de l'honneur qui lui est fait. Quelles sont ses qualités ? Être un bon juriste, tout d'abord. La chose ici me semble évidemment acquise et vous me permettrez donc de ne pas insister là-dessus. Faire preuve d'une totale ouverture d'esprit ensuite. Le nouveau juge arrive à la Cour suprême avec un bagage intellectuel et émotif qui lui est propre, qui lui est personnel. Il possède, comme nous tous et comme tout autre, ses propres croyances, ses propres réflexes, ses propres idées. Il aime ou au contraire n'aime pas, il approuve ou au contraire n'approuve pas certaines choses, certains comportements, certaines tendances. Pourtant, quand il est saisi d'une cause, il se doit de mettre de côté sa subjectivité et regarder la réalité de façon objective. Il se doit donc d'être impartial et dénué de tout préjugé. Il doit être à l'écoute des autres et afficher sa neutralité, ce qui, il faut le dire, n'est pas toujours facile. Parfois, en effet, il devra rendre des décisions qui vont à l'encontre de ses propres convictions, mais qui cependant sont conformes au droit et à la loi. C'est donc une des toutes premières qualités que vous devez identifier dans votre échange, l'ouverture d'esprit et la capacité de respecter l'opinion des autres. Enfin, il doit aussi afficher et défendre une totale indépendance qui est la sienne. Cette indépendance des magistrats canadiens, qui est le fruit d'une longue tradition, fait l'envie de bien des juges étrangers, où la justice est directement entre les mains du pouvoir politique et où le magistrat n'est qu'un simple exécutant des décisions et des ordres de ce dernier. L'indépendance doit s'affirmer vis-à-vis du pouvoir, mais aussi vis-à-vis du public en général. Le juge doit en effet s'attendre à faire l'objet de critiques, de commentaires pour ses décisions. Mais il n'est évidemment pas là comme un candidat à un concours de popularité. Là encore, cet esprit de tolérance est une condition, une qualité essentielle. Vous allez donc avoir dans quelques instants l'occasion d'interroger l'honorable Marc Nadon pour vous assurer qu'il possède bien l'ensemble des qualités requises pour remplir son poste.
Depuis ce système de comparution de la Chambre des communes a été instauré, certaines règles ont pu être définies et doivent être suivies. Il faut en la matière éviter, je pense, de reproduire le modèle américain qui ressemble plus à un contre-interrogatoire musclé qu'à un dialogue. Il n'est donc pas opportun d'abord de questionner le candidat sur des affaires qui sont en cours, soit devant la Cour suprême, soit devant d'autres tribunaux, ou lui demander son opinion personnelle sur des sujets hautement controversés. Il faut également éviter ensuite de lui demander de s'expliquer, ou encore pire, de justifier certaines décisions qu'il a rendues dans sa carrière judiciaire. Enfin, les questions très personnelles, sauf peut-être pour le golf, par exemple sur sa vie privée, sont évidemment à proscrire. Celles sur son expérience judiciaire passée, au contraire, ne le sont pas. Qu'est-il donc opportun pour vous de faire ? Vous pourrez, j'allais dire même vous devez, sonder l'honorable Marc Nadon sur la façon dont il conçoit son rôle, sur la contribution qu'il entend apporter à la Cour, sur ce qu'il pense du rôle et de l'évolution du droit et sur sa motivation. Voilà, j'ai l'impression d'avoir été trop long. Je termine donc en vous remerciant de votre patience. Merci beaucoup, Maître Baudouin, pour votre commentaire. I would now begin the process that we are all anxious to begin. And with that said, I'm going to turn over the floor to Mr. Justice Marc Nadon. Sir, the floor is yours. Monsieur le ministre de la Justice, mesdames, messieurs, membres du comité, monsieur le professeur, l'honorable Jean-Louis Baudouin, et tous ceux et celles qui regardent et écoutent et qui sont présents pour cette session aujourd'hui. Je suis heureux et honoré d'être parmi vous et je serai encore plus heureux ce soir vers 5 heures. Mon intention est de vous donner un tour d'horizon de la personne qui est devant vous aujourd'hui afin de vous aider à mieux comprendre qui je suis. Avant de commencer, je désire saluer et souligner le travail exceptionnel accompli par l'honorable juge Maurice Fish qui vient de prendre sa retraite. C'est certainement avec beaucoup d'humilité que j'ai accepté l'offre du premier ministre de le remplacer. Comme l'a indiqué le ministre de la Justice, je suis né à Saint-Jérôme, un tout petit village au nord de Montréal, dans les Laurentides, et je suis le produit d'un père joueur de hockey dans les années 40 où le salaire n'en valait pas la chandelle, et d'une mère ukrainienne qui était chanteuse professionnelle et dont l'un des grands plaisirs de sa vie a été d'être la chanteuse en résidence à l'époque des Big Bands au Château Frontenac de Québec. Tous les deux m'ont inculqué dès mon jeune âge l'idée que je devais étudier et travailler fort afin de pouvoir profiter des opportunités qui me seraient offertes dans la vie. En particulier, mes parents étaient conscients du fait qu'ils n'avaient pas eu la chance de faire des études au-delà du secondaire. Je suis fier de mes origines francophones et ukrainiennes. Mes grands-parents ukrainiens sont venus au Canada au cours de la Première Guerre mondiale et ils étaient heureux de pouvoir vivre et travailler d'un pays comme le Canada qui les a accueillis avec beaucoup de chaleur. Mon fils Marc-André, qui me ressemble beaucoup, semble-t-il, est avocat au sein de mon ancien bureau, qui maintenant s'appelle Fasken Martineau du Moulin de Montréal. Il pratique le droit des médias et le droit de la propriété intellectuelle. Mon épouse Margaret Buchan, compagne de plus de 30 ans, est une Écossaise diplômée de l'Université d'Édimbourg et de Rennes en France, originaire d'un tout petit village, Peebles, près d'Édimbourg. Because my mother only spoke Ukrainian and English when she married my father, I was brought up in English during the first few years of my life. However, afterwards, I did all my schooling from primary school to law school in the French system in Quebec. During my youth, my ambition in life was to become a hockey player, which may seem surprising looking at me, but those days were different. In fact, I was drafted by the Detroit Red Wings when I was 14. I'm now going to make an admission, which may be fatal to me here in Ottawa, that I'm neither an Ottawa Senator fan nor a Montreal Canadian fan. However, around the age of 16, my father read me the Riot Act and said that I had to decide whether I wanted to study or play hockey. I opted for studying.
It now seems I made the right decision. À la fin de mes études collégiales, mon intention était de devenir psychologue suite à la lecture d'un livre sur la psychanalyse écrit, si ma mémoire est fidèle, par un auteur du nom de Pierre Dacqua. Malheureusement pour moi, l'orienteur du collège m'a informé qu'il me manquait plusieurs crédits en biologie pour me diriger en psychologie. Je lui ai alors demandé ce que je pouvais faire avec mes crédits existants. Il m'a répondu qu'entre autres, je pouvais me diriger vers le droit, pour lequel j'ai immédiatement opté. J'ai fait mes études en droit à l'Université de Sherbrooke pendant 3 ans, 3 belles années d'études et de réflexion qui ont mené à l'obtention de ma licence en droit civil. À la fin de mes études, j'avais un penchant sérieux pour le droit criminel et j'anticipais possiblement devenir procureur de la Couronne. Malheureusement, les choses ne sont pas passées comme prévu. En effet, dès le début de mon stage comme étudiant au bureau Martineau Walker et pendant 20 ans, j'ai pratiqué dans le droit maritime et le droit des transports. J'ai pratiqué dans un domaine des plus intéressants, un domaine du droit impliquant des clients et des problèmes juridiques provenant de plusieurs pays, dont les États-Unis, l'Angleterre, la France, la Belgique, la Russie et l'Allemagne. Ceci m'a permis de rencontrer des avocats de tous ces pays avec qui j'entretiens jusqu'à ce jour des relations plus que cordiales. During the course of my practice, I had the opportunity of appearing before the Supreme Court of Canada on at least 3 occasions, in cases pertaining to maritime law. My first appearance before the Supreme Court in the late 70s, when I was a very young lawyer. I remember with great fondness the manner in which the Chief Justice Laskin and the court treated me and the other lawyers who were all very young lawyers. At that time, my firm had asked me if I would accept to be part of a group of lawyers who would open an office in London, England, where I lived from 1988 until 1990. Before moving on, and I'm going to make many young lawyers jealous here, before moving on, I would like to say that we had wonderful senior partners at the firm in those years who told us young lawyers that we were not to worry about billable hours, but that we were to concentrate on our efforts on becoming excellent lawyers. These partners, George Allison, Roger Beaudieu, and Peter McHale, have sadly all passed away. I then began thinking of becoming a judge in the federal court, mainly because of its jurisdiction in maritime law and other fields of federal jurisdiction. I wanted to be in court more often and to have the opportunity of concentrating all of my time reflecting and deciding legal issues. I was appointed in 1993, and I have never regretted my decision. It has been a very fulfilling career, and it has met all of my expectations. J'ai œuvré au sein de la Cour fédérale pendant 9 ans, ce qui m'a permis d'entendre et de décider des causes portant sur un nombre illimité de sujets de droit, dont l'immigration, les brevets, les marques de commerce, le droit d'auteur, le droit autochtone, le droit administratif, le droit maritime, le droit constitutionnel et la Charte des droits et libertés. J'ai aussi eu l'occasion d'entendre des causes reliées aux lois antiterroristes promulgué par le Parlement. En outre, j'ai siégé comme membre du tribunal de la concurrence, ce qui m'a permis d'entendre l'une des plus grandes affaires dans ce domaine, soit la fusion de Superior Propane et Intercity Gas, ce qui m'a amené à passer 6 mois à Calgary, que je connais bien maintenant. En décembre 2001, j'ai été nommé à la Cour d'appel fédérale, où j'exerce depuis plus de 12 ans. À nouveau, mon expérience judiciaire s'est accrue. Mon séjour à cette Cour m'a permis de côtoyer de grands juristes qui m'ont beaucoup appris et influencé dans ma façon d'aborder et de traiter les problèmes juridiques. J'ai aussi, pendant quelques années, enseigné à la Faculté de droit de l'Université Sherbrooke. May I say that the life of a judge, as I see it, is a life of intellectual pursuit, by which I mean that one is constantly striving to better understand the issues of law and society that come before the court. One of the great pleasures and privileges of the life of a judge is that one may devote all of one's time and energies to arrive at the correct result in any given matter. Because context is crucial in law, one must know a lot about history, the origin of ideas, their consequences, and the implications of decisions on litigants and society. That is why reading is and has always been for me a great passion. It is a full-time effort only constrained by the number of hours in a given day. At the top of the judicial pyramid sits the Supreme Court of Canada. That court is the leader of the Canadian judiciary. It sets the tone, it enacts the principles which every court in the land must follow,
and it interprets the Charter, which provides protection to all citizens of Canada. It plays an extremely important role and therefore imposes on its members a heavy responsibility. The rule of law is at the core of what judges do, and more particularly, it is the golden thread which permeates our judicial system. Without it, life in a democracy would be very different. The Supreme Court of Canada is the guardian of the rule of law. Je conclue mes remarques en disant que l'un des aspects fondamentaux de notre système judiciaire est la participation des avocats dans toutes les facettes du processus. À mon avis, notre système juridique est ce qu'il est, l'envie de tous, parce que nous avons des barreaux exemplaires, soit des avocats qui comprennent que sans la règle de droit, nos libertés si précieuses seraient en péril. C'est pourquoi le respect de la profession par le judiciaire est, à mon avis, une condition essentielle de l'entreprise judiciaire au Canada. J'espère que mes brèves remarques ont su vous donner un aperçu satisfaisant et éclairé de la personne qui est devant vous. J'en profite pour dire que la séance de questions qui suivra est sans aucun doute juste et équitable, compte tenu du fait que j'ai passé ma vie à interroger des témoins en ma capacité d'avocat et à questionner des avocats en ma capacité de juge. Maintenant, c'est à mon tour de subir l'épreuve. As these proceedings are conducted in both official languages, with translators present, it is appropriate that I make you aware of some of the dangers that lie behind translation by relating to you a true story. Years ago, I read the memoirs of Lord Elwin Jones, who was then the Lord Chancellor of England, then the highest position in the United Kingdom, the highest legal position, under the government of Prime Minister Callaghan. In his memoirs, he talks of a speech he was asked to give in Paris to a group of distinguished civil lawyers. During the course of his presentation on the common law and the common lawyers of England, a very serious presentation, he realized that on many occasions people were laughing. He simply could not understand why that was happening, as he had not said anything funny, and nor had he intended to say anything funny. At the end of his presentation, he received a warm round of applause. He was approached by one of his friends, to whom he voiced his surprise regarding the laughter which his speech had caused. His friend said to him that all had gone extremely well, but that the laughter was the result of translation. Lord Elwin Jones said, "What do you mean?" His friend said, "Well, when you referred to the common lawyers of England, the translator translated those words in French by the words, and I quote, 'les avocats bien ordinaires du Royaume-Uni.'" Sur cette note, je suis à votre entière disposition et je vous remercie infiniment de votre patience. Et il me fera plaisir, dans la mesure du possible, de répondre à toutes vos questions. Et encore une fois, je suis honoré d'être parmi vous aujourd'hui. Merci. Well, thank you, sir. Thank you, Mr. Justice Nadon. I can assure you that we view you as anything but ordinary. It's extraordinary to have you with us and to be at this point. I would now also just reiterate, as Maître Baudouin has done, that this is a dialogue, not an interrogation or an inquisition. And so we very much look forward to this dialogue with you. Madame Baudouin, you have 8 minutes. Merci, Monsieur le Ministre. Et puis, ma première remarque s'adresse à vous. On dirait que tous les mois d'octobre, depuis 2 ans, je me trouve à participer au processus. Monsieur le juge, l'ex-juge Baudouin le mentionnait tout à l'heure. Il vous reste encore une chance pour nommer une femme à la Cour suprême, mais ça, c'est pas la faute à monsieur. Je le dis à chaque année, mais je me sens quand même obligée de le dire parce que pour moi, c'est un facteur extrêmement important. Monsieur Nadon, je vais être une des premières à vous féliciter, autre que le gouvernement, parce qu'on ne se leurre pas ici. C'est un processus, comme vous l'avez bien mentionné, de dialogue, de conversation pour essayer de peut-être mieux vous connaître que ce cartable qui nous a été remis. Ou pour certains d'entre nous qui avons participé à un processus un petit peu plus approfondi, certaines rencontres avec certaines personnes de vos connaissances. Donc, on sait que c'est la décision, vous l'avez dit vous-même, dans votre, c'était peut-être un lapsus, mais vous avez accepté l'offre du premier ministre. Alors, on est tous très conscients du rôle que l'on a à jouer ici. Par contre, je pense qu'il y a quand même des questions, compte tenu du processus, qui doivent être posées, mais de façon tout à fait respectueuse. Tenez-moi-en pas rigueur, malgré que je doute que je replaide devant la Cour suprême dans les prochaines années, mais ceci étant dit,
Il y a la question, vous êtes juge surnuméraire. Peut-être expliquer au commun des mortels, parce que longtemps, moi y compris, on pense que la question de juge surnuméraire veut dire pré-retraite. Et quand on sait la somme colossale de travail qui doit être accomplie à la Cour suprême du Canada, peut-être nous expliquer, étiez-vous en pré-retraite de la Cour d'appel fédérale ou… Non, je n'étais pas en pré-retraite, mais je vais vous expliquer quand même le processus de surnuméraire. Les juges fédéraux au Canada peuvent prendre le statut de surnuméraire lorsqu'ils atteignent le chiffre magique de 80, c'est-à-dire que leur âge avec le nombre d'années de service, et dans mon cas, j'avais 62 ans et 18 ans de service, 80, j'aurais pu prendre ma pension complète et de partir. Le surnuméraire nous permet de prendre un peu moins de causes, c'est-à-dire qu'on fait moins de semaines, c'est discuté avec le juge en chef. Et ça nous donne un peu plus de temps pour vaquer d'autres occupations, si on le veut, et ou consacrer beaucoup plus de temps à nos dossiers, si on le veut. Et donc, ce n'est pas une pré-retraite. Je vais vous donner un exemple que je peux juste donner pour le mien. La première année que j'ai été surnuméraire, il y a 2 ans, j'ai terminé au mois de décembre, et là, je pense que j'étais parti pour 2 mois ou 3 mois. Mais j'avais accepté, je pense, le 15 décembre, une cause compliquée en matière de charte, c'était la cause Jordan qui est dans votre bouquin, sur l'accès à l'Internet par des personnes avec des difficultés de voir. J'ai dit à mes collègues, écoutez, moi, j'ai du temps devant moi, je vais prendre la cause, et c'était une cause considérable, et j'ai passé, j'ai quand même passé 4 semaines dans le Sud, mais j'ai passé 2 mois à temps plein. Donc, ça n'a pas réduit votre charge de travail nécessairement? C'est-à-dire que c'est possible, mais si on veut, ça nous donne du temps pour consacrer à des choses de plus grande complexité et d'aider nos collègues qui ont un rôle plus chargé. Et vous êtes conscient qu'il y a une charge de travail phénoménale à la Cour suprême et du Canada. Laissez-moi juste ajouter, pour cas qu'il n'y a pas d'impression, en acceptant d'être mis de l'avant pour la Cour suprême, ces semaines ou ces jours de repos vont disparaître. Et je n'ai pas accepté l'offre du premier ministre à la légère parce que je suis… Okay. Ça va bien. Je suis prêt, évidemment, à faire le travail et consacrer tout mon temps. Vous avez parlé des décisions que vous avez soumises. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que depuis 1993 que vous siégez comme juge, je sais qu'on ne peut pas entrer nécessairement sur le contenu des décisions. Loin de moi, l'idée de partir un débat, par exemple, sur l'arrêt Kader avec vous. Je ne gagnerais peut-être pas, mais peu importe, ce n'est pas l'objectif de l'exercice que l'on fait. Mais j'étais curieuse parce qu'à travers tout, parce que vous en avez rendu, je regardais les différents onglets qui nous ont été remis, vous en avez rendu des décisions, Monsieur le juge, et des décisions très importantes à travers les années. Pourquoi avoir choisi ces 5-là? Ces 5 décisions, quel a été votre cheminement? On vous a demandé de nous produire une décision par groupe, par exemple, droit constitutionnel, charte fédéraliste, droit criminel ou sécurité nationale, droit civil, droit administratif et une autre décision au choix. Entre parenthèses, vous n'en avez pas fourni en droit civil, mais j'ai compris que c'est parce que vous étiez à la Cour fédérale, vous n'avez pas rendu de décision dans ce domaine-là. Mais pourquoi avoir choisi ces 5 décisions-là? Qu'on a pu entendre peut-être à travers les médias, tort ou à raison, qui semblait peut-être donner une impression pro-gouvernementale. Est-ce que ça a traversé votre esprit ou pas du tout? Non, parce que je pense que, comme tous les juges au Canada, le résultat auquel on arrive, c'est le résultat lequel on arrive après des heures et des semaines et des mois de travail. Évidemment, je sais que vous ne pensez pas ça. On n'écrit pas la conclusion puis dire « je veux que le gouvernement gagne ou non ». Par exemple, dans le cas de… En fait, la décision de Jordan, qui est une cause de charte, on a conclu contre le gouvernement. Tout à fait. Dans l'affaire Martin, qui est une autre cause de charte, on a conclu en faveur du gouvernement. Je n'ai jamais fait ou tenu de statistique. Il y a des décisions qui vont en faveur du gouvernement. Certains contre le gouvernement parce que, à notre avis, ou le mien, c'est le résultat qui s'impose compte tenu de la loi puis de la jurisprudence. Mais qu'est-ce qui vous attirait dans ces 5 décisions-là que vous avez cru bon de nous décrire vous-même dans votre rédaction à travers ces décisions-là? Bien, oui, on nous a demandé de tourner 5 décisions dans des sujets, relativement des sujets particuliers, par exemple le droit administratif, le droit constitutionnel, le droit criminel, bien, nous, on n'en fait pas, sauf par le biais de la loi sur les libérations conditionnelles.
ou terroriste. Fait que j'ai mis la décision CADER, qui était, je pense, la seule que j'ai rendue en matière de législation terroriste en cours d'appel. J'en ai rendu quand j'étais en cours fédéral. J'en avais une qui, en fait, qui est toujours sous étude par un autre juge aujourd'hui. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis là. En droit civil, vous aviez bien, on ne fait pas de droit civil de la même façon que les tribunaux du Québec. On fait beaucoup de droit civil indirectement parce que, par exemple, la loi sur l'assurance chômage, qui nous amène souvent à Montréal, est une loi statutaire. Mais pour en arriver à la solution statutaire, il faut regarder souvent des questions contractuelles, l'emploi de la personne, parce qu'il faut avoir un emploi, il faut payer des primes. Il faut regarder un tas de questions sous-jacentes qui sont des questions de droit civil. Et donc, au cours des 20 ans en cours fédéral et cours d'appel, j'ai fait beaucoup de droit civil, sauf que ce n'est pas le, si vous voulez, le sujet principal de la décision. Et donc, si j'allais passer des heures, je vous trouverais des décisions où je me souviens qu'on a, on a traité de problèmes de droit civil du Québec. Excellent, merci. Donc, je comprends votre référence par rapport au droit civil, un petit peu par corollaire, si vous voulez, à travers certaines décisions en matière d'assurance chômage. Mais est-ce que je me trompe quand je regarde votre CV, par contre? Vous êtes reconnu comme un spécialiste, je veux dire, c'en est renversant, là, en termes de droit maritime, droit des transports, pas civil, trop, ça non plus. Et ensuite, votre avènement à la Cour fédérale. En termes de droit civil, vos connaissances en droit civil, puis vous savez, je fais un petit... C'est le monsieur le ministre qui nous a parlé longuement de l'avis juridique. Vous êtes notre premier nominé qui vient avec une nomination puis un avis juridique dans l'autre main. Alors, c'est certain que ça entraîne certaines discussions par rapport à ça, mais au niveau de vos connaissances en droit civil, c'est ce que vous venez de me dire. Mes connaissances en droit civil, je considère qu'elles sont fortes. J'ai fait un cours une licence en droit civil. J'ai pratiqué à Montréal. Je n'ai pas... pendant 20 ans, j'ai fait surtout du droit maritime, mais j'ai plaidé des affaires civiles devant la Cour d'appel du Québec, des affaires civiles devant la Cour supérieure, je ne peux pas me rappeler. J'ai été en contact constant avec des avocats dans mon bureau qui sollicitaient mon opinion sur des problèmes contractuels de droit civil. Ce n'était pas ma pratique principale, mais j'en ai fait beaucoup de droit civil, j'en ai fait beaucoup en Cour fédérale et en Cour d'appel. Fait que, c'est un peu inexact, mais il faut quand même se présenter. Essentiellement, c'est une pratique de droit maritime, mais j'ai fait quand même beaucoup de droit civil, de litiges civils commerciaux au Québec. Merci. Merci, Madame Provin. Ministre Glover. Merci, ministre McKay. J'aimerais dire au tout début, merci bien pour cette opportunité. C'est vraiment un moment historique pour nous, les députés bien ordinaires. Je veux juste dire que c'est vraiment un plaisir et un honneur d'être parmi vous aujourd'hui. Je veux aussi remercier Maître Beaudoin pour ses efforts et ses conseils avant qu'on commence ce dialogue. Et maintenant, Monsieur le juge Nadon, félicitations. C'est vraiment un événement remarquable dans votre vie et je sais que vous avez une famille qui est bien fière aujourd'hui. Au nom de mes collègues, je veux vraiment vous souhaiter des félicitations. Et on reconnaît bien l'ampleur de votre carrière. C'est évident par les binders qu'on a à côté de nous que vous avez beaucoup d'expérience. Et en commençant avec les questions, j'aimerais parler un petit peu de l'imputabilité. Alors, si vous me permettez, je vous demande si vous pourriez expliquer à notre comité et aux Canadiens et Canadiennes qui sont en train de regarder à la télévision, si vous pourriez expliquer le fonctionnement de notre système judiciaire en ce qui a trait à la façon dont vous devez rendre des comptes et à qui vous devez rendre des comptes également. Pourriez-vous, s'il vous plaît, vous inspirer de votre expérience comme juge, à la fois comme juge de première instance et comme juge de la Cour d'appel? Je ne suis pas certain que je comprends bien votre question, mais je vais rendre des comptes. On ne rend pas de compte sauf à nous-mêmes. Et ça peut paraître surprenant, mais je vais... Le devoir d'un juge, c'est de rendre justice, compte tenu de la loi, de la jurisprudence et particulièrement de la jurisprudence de la Cour suprême. C'est ça le rôle de justice. Chaque dossier, on doit rendre justice au meilleur de nos efforts et de nos connaissances. Et on a un devoir, un grand devoir envers les citoyens qui viennent devant nous pour que ce travail soit fait de façon efficace,
dévoué. Et je dirais toujours, notre travail, c'est d'en arriver au bon résultat. Et le bon résultat, ça dépend des dossiers, ça dépend des affaires. Donc, on est redevable aux citoyens, parce que c'est notre devoir, c'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on est bien traité, et c'est pour ça qu'on nous permet de faire notre travail dans le confort et dans la quiétude qui est nécessaire pour faire ce travail. On est aussi redevable, imputable envers les avocats qui, comme je l'ai dit tantôt, sont, à mon avis, l'une des pierres angulaires de tout le système juridique. Sans eux, le système s'arrêterait. Et donc, j'ai toujours pensé, moi, dans ma carrière, que, et particulièrement quand je suis devenu juge, la première règle que j'ai établie dans mon esprit, c'est que pour moi, les avocats, c'était sacré. J'allais les écouter, leur permettre de s'exprimer, leur permettre de défendre du mieux qu'ils pouvaient, que je sois d'accord ou non avec leurs arguments, ça c'est autre chose, et qu'ils puissent faire le travail pour la défense des droits de leurs clients. Troisièmement, on est imputable envers nous, comme juges, envers les tribunaux supérieurs. Comme juge de première instance, par exemple, on est supervisé, comme vous le savez, par l'instance, par la Cour d'appel, et quand on est à la Cour d'appel, on est supervisé par la Cour suprême. J'allais dire que je suppose que les gens qui n'ont pas l'occasion d'être dans le système judiciaire comme nous, tous les jours, le travail d'un juge, on n'est pas des compétiteurs. La Cour d'appel n'est pas en compétition avec la Cour suprême. Les juges de première instance ne sont pas en compétition contre nous. Ce n'est pas nous, on va devenir des vedettes, on va se distinguer. Ce n'est pas ça. C'est un travail d'équipe. Du commencement d'un dossier jusqu'à la Cour suprême, c'est un travail d'équipe. C'est pour ça que la Cour suprême veut avoir des décisions de première instance, elle veut avoir une décision de cour d'appel, pour que son travail soit facilité à la fin. Parce que c'est important dans tout le processus judiciaire que les juges s'expriment sur des questions qui sont souvent extrêmement complexes. Pour que quand le dossier arrive à la Cour suprême soit en mesure de dire « voici différentes visions de ce problème, voici différentes visions de société pour déterminer ou pour en arriver à la réponse correcte. » Et tout ça, on est une équipe qui travaille tout ensemble pour en arriver au meilleur résultat possible pour les justiciables dans un dossier. Je dirais que c'est un peu en général ma philosophie juridique. Bien, merci bien. J'aimerais aussi parler un peu de ceux qui sont en train de nous regarder à la télévision. C'est les avocats en évidence. Il va y avoir certains membres du barreau en exercice qui sont en train d'écouter. Et quel conseil donneriez-vous à ces membres du barreau en exercice qui vont se présenter devant la section de première instance, la Cour d'appel ou même finalement à la Cour suprême du Canada? Il y a beaucoup de juges qui ont donné des discours sur la façon d'être bon, d'être meilleur, et ils les ont donnés, ils sont disponibles. À mon avis, il n'y a pas de recette magique. Comme nous, les avocats doivent être prêts, ils doivent travailler, ils doivent connaître leur dossier, ils doivent faire la recherche qui s'impose, ils doivent prendre le temps qui est nécessaire pour que leurs clients soient pleinement représentés. Ils ont un devoir envers la Cour parce qu'on est un peu tributaire d'eux, c'est-à-dire meilleurs sont les avocats, meilleurs sont les juges. Je pense que tous les juges vont en accord avec ça. Et donc, ils ont une obligation envers nous d'être préparés et de nous donner tout ce qui est nécessaire pour qu'on puisse déterminer le dossier le plus correctement possible. Et donc, je dirais que pour les avocats, et ce n'est pas un mystère pour eux, il faut être prêt, il faut se préparer, il faut faire le travail qui s'impose pour la défense du client. Et ça, c'est leur devoir principal, c'est de défendre leur client. Et en même temps, ils demeurent des officiers de cour, ils ont un devoir envers nous de faire en sorte que les dossiers soient bien préparés et que les arguments qui doivent être faits dans un dossier, en particulier dans les dossiers constitutionnels de charte, que les arguments soient bien faits et bien présentés pour que nous puissions faire notre travail de façon aussi exemplaire. Alors, vous avez eu une longue carrière et est-ce qu'il y avait des moments qui ont défini votre préparation pour devenir juge, soit au cours fédéral ou maintenant à la Cour suprême du Canada? Durant ma carrière d'avocat? Pardon? Est-ce qu'il y a eu... j'ai pas bien saisi votre question. Alors, vous avez eu une carrière qui était bien longue, avec plusieurs expériences. Y a-t-il eu des expériences en particulier que vous avez eues
qui vous a préparé de devenir, pour devenir juge dans les cours d'appel fédérales, dans la cour d'appel? Non, je dirais que c'est un ensemble de circonstances. Je pense qu'il faut avoir un tempérament juridique. J'espère que je l'ai après toutes ces années. Je n'ai pas eu trop de plaintes contre moi. Comme disait le professeur Baudouin, il faut être ouvert, il faut être prêt à écouter, il faut être patient. Je dirais que la patience est une règle d'or pour les juges. Il faut être patient. Le fait que des avocats ne présentent pas une cause exactement comme nous, on voudrait qu'elle soit présentée, c'est pas suffisant pour mettre fin à la patience. Il faut être patient, il faut être prêt à écouter, il faut être ouvert aux arguments. Et effectivement, souvent, on, parce qu'on se prépare avant d'entendre des parties, on se prépare. Nous, on a les dossiers, je dirais, deux mois d'avance. On lit les dossiers attentivement, on fait de la recherche, on se prépare. On forme une opinion sur le dossier, une opinion préliminaire, et pas tous les jours et pas 90 % du temps, mais très souvent, l'argument oral fait en sorte qu'on change d'idée. Et on change souvent d'idée. Je sais pas, des fois, on a l'impression, on lit des fois certaines choses, les juges ont... leur idée est faite à l'avance, mais c'est pas le cas. On est très ouvert et, comme disait le professeur, c'est absolument crucial. Il faut écouter, entendre et être prêt à considérer des arguments qui... Peut-être qu'après ma barre, nous semble pas important, mais souvent qu'ils le sont. Merci bien. Merci, Mme Glover, ministre, et M. Erwin Cotler. Monsieur le ministre, Monsieur le juge Nadon, j'aimerais d'abord me joindre à ceux et celles qui vous ont félicité de cette nomination, et j'estime important, comme M. le ministre a dit au commencement, que les parlementaires aient l'occasion de faire savoir leur opinion au cours de ce processus. Et comme Maître Baudin a dit aussi au commencement, que c'est une consultation, c'est un dialogue. Alors, je vais commencer avec une question comme ça, que certains voulaient que cette nomination en particulier serve à préserver la parité homme-femme à la Cour. Selon vous, quel élément de diversité contribuez-vous à la magistrature et pourquoi en formation diversifiée est-elle souhaitable? J'ai de la difficulté à répondre pourquoi j'apporte un élément diversifié. Je vous ai lu un petit peu mes origines. J'ai des origines particulières et tous et chacun de vous avez des origines particulières. J'ai un schéma de vie qui est le mien, pour le bien et pour le mal, s'il y a eu des choses. J'ai une vision juridique. J'ai fait une carrière telle que je vous l'ai décrite. Comme juge, j'ai entendu des centaines, si pas des milliers de causes portant sur à peu près tous les sujets qui sont de notre essor. J'ai appris beaucoup. J'ai entendu beaucoup d'arguments. J'ai eu la chance, beaucoup de chance, de réfléchir sur tous ces sujets qui préoccupent non pas souvent juste les particuliers dans une cause, mais qui préoccupent les sociétés, l'accès à la justice, les problèmes de charte, l'article 7, l'article 15, l'article 6 sur les droits de mobilité. J'ai eu 20 ans à réfléchir là-dessus. Et sous-jacent à tout cela, le droit n'opère pas en isolation. Comme je le disais, il faut comprendre un paquet d'autres choses pour être un bon juge, que ce soit l'histoire, la sociologie. Et je ne dis pas ça pour battre mon tambour, là, mais j'ai dit, j'ai lu depuis 20 ans, et c'est la chose que, l'une des choses que j'apprécie le plus d'avoir été juge, c'est que ça m'a permis, contrairement à la pratique du droit qui impose des contraintes différentes pour certains d'entre vous qui ont été avocats et qui le sont, la carrière de juge nous donne cette liberté qui fait qu'il n'y a pas d'excuse à ne pas comprendre et vouloir comprendre tous les grands problèmes de société. Est-ce que je suis le candidat ethnique ou parfait? J'ose pas répondre. Je laisse à d'autres de répondre à cette question. Ce n'est pas à moi de répondre. Et j'espère que ça répond un petit peu à votre question. Oui, oui. Let me turn to a question about a case as part of this dialogue and consultation that you were involved in, and that is the Mugesera case. When the Mugesera case was
before the federal court, you ordered at the time that deportation proceedings against this Rwandan genocidaire, Leon Mugesera, be halted, as he had not committed any crimes against humanity. You mentioned also absent proof that any murders had been committed. The Supreme Court later ruled unanimously that he did commit a crime against humanity, that the very incitement constituted the crime, and was therefore inadmissible to Canada. On reflection, do you feel that you made the right decision in that case? So, I won't answer your question, I suppose, but I'd just like to say this, because there may be some misunderstanding. I heard Mr. Mugesera on judicial review, I remember for 2 weeks in Quebec City. My decision was that the order for deportation could not be stopped. I did not order that the deportation be halted. My decision was that, because there were five arguments, he succeeded on one or two, but he had to succeed on five. The end result of my decision is that Mr. Mugesera was going to be deported. That is why the decision was appealed to my future colleagues of the Court of Appeal, who disagreed with me, and they ordered that Mr. Mugesera not be deported. So in the end, the Supreme Court confirmed my decision that he could be deported. I'm just speaking about a particular question of law, if I may. Regarding... Okay, I can answer that. Yeah. All I'll say is you probably have had occasion to read the decision, and I won't get into that because I think as Professor Baudouin, I wouldn't want to try and explain my decision here and justify it. But on the point that you refer to, it is all written in my decision as to why I went in a certain direction as opposed to not. The case was decided on the evidence that was before me and on the arguments that were before me. I haven't read this decision, unfortunately, for a long time, but as I say, there were numerous arguments that were being made in defense of Mr. Mugesera. I mostly held against him, except on a number of points, but for the reasons that I gave in that decision, I don't think I could go any further without having to, you and I would need 5 hours for me to go and explain that. So maybe, probably less, but you'd have to be filled into the background and so on. So I hope, I can only answer that way. Okay, regarding un cas que vous avez soumis pour notre compréhension, je parle de l'affaire Kader. Vous avez écrit, et je cite, le Canada... Mr. Kotler, there's a point of order here. I'm sorry to interrupt you. And I'm so sorry. My learned friend is a very good friend of mine. I just hope that we don't breach the spirit of what we're here for by addressing specific cases and asking the judge to justify his decisions, which was clearly something that Maître Baudouin stated at the beginning would be inappropriate. So although I appreciate my learned friend across the way, my colleague, Mr. Kotler, has a tremendous amount of knowledge in this, I would just hesitate to put some questions like the previous one before the judge, because it puts him in an awkward position, contrary to what Maître Baudouin pointed out at the beginning. I think we have got close to the line, but Mr. Justice Nadon has responded appropriately within the bounds, and Mr. Kotler, I think, has moved on to another subject. So the floor is yours, sir. I have moved on to another subject. In fact, I'm moving on to the case that gave us for our consideration one of the five cases, and that's why I'm focusing on. That's the I think the concern with respect is only if the questions are asking Mr. Justice Nadon to revisit those decisions, justify them, or speak to another court's appeal decision that goes to the subject matter. But I'll turn the floor back to you, sir. Well, you know what? Since that might enter into a procedural issue, whether it does or not, I'll go on to another question that does not address it in that way. Thank you. Monsieur le juge, vous avez peut-être vu et entendu la juge en chef, Madame Beverly McLaughlin, parler haut et fort de ce qui a été appelé la crise d'accès à la justice.
Partagez-vous son opinion que la justice au Canada est trop souvent inaccessible? Je n'ai pas lu récemment ses propos, mais j'ai une bonne idée de ce qu'elle a pu dire, mais je vais vous... on a, à notre cour et au cours fédéral, on a des problèmes d'accès à la justice. Je pense qu'il faut, être conscient que la justice est devenue très coûteuse. Et à certains égards, même nous, les juges qui sommes bien traités par le gouvernement fédéral, au point de vue salaire, même nous, je pense, on aurait difficulté de se prendre un avocat à beaucoup d'occasions parce que c'est devenu très, très cher. Et évidemment, pour des gens qui ont des revenus modestes, c'est presque impossible. Je pense que c'est la réalité, on peut pas, c'est indéniable. La question, c'est comment résoudre ce problème? Dans notre cour et dans les cours fédérales, on a tenté de modifier les règles pour permettre aux gens de se représenter eux-mêmes. Et beaucoup d'entre eux le font. Et dans la mesure où il nous est permis, on tente de les aider. Étant conscient du fait que, en tentant de les aider, il ne faut pas agir au préjudice de l'autre partie. Deuxième observation, dans la plupart des cas, il n'est pas recommandé aux gens de se représenter eux-mêmes parce qu'ils ne connaissent pas les règles, ne connaissent pas le droit et ça va être très difficile pour eux-mêmes, souvent avec une cause méritoire, de faire comprendre à leur cour quel est le véritable argument. Il y a l'aide juridique dans beaucoup de provinces, mais qui ne couvre pas tout. Je sais que la juge en chef a fait des commentaires sur ce sujet. Et dans quelle mesure les gouvernements sont prêts à prendre les mesures nécessaires pour rendre l'accès à la justice le plus efficacement possible, je pourrais vous donner une grande théorie si j'étais ministre de la Justice. Étant juge, je dois peut-être garder, et comme je dis, la juge en chef a dit ce qu'elle avait à dire, mais vous me demandez à moi. J'ai de la difficulté, moi, à faire des commentaires trop ouverts sur cette question, simplement parce que c'est la prérogative du gouvernement et du ministère de justice. Ça implique des dépenses de fonds, d'ouverture de fonds. Il y a toutes autres mesures qui vont faire en sorte que les gens vont pouvoir accès à la justice. Il y a des pays où on accorde des plus grandes sommes à l'aide juridique que dans certaines provinces. Il y a toutes sortes de façons de faire, mais à la fin, je pense, c'est soit que le gouvernement dépose plus d'argent ou que les avocats commencent à charger moins cher. Mais ce n'est pas à moi à m'ingérer dans plus loin que ce que je vous ai dit. Évidemment, nous, les juges, on a intérêt à ce que les partis soient représentés par des avocats et par de très bons avocats. C'est dans notre intérêt et c'est dans l'intérêt de tout le monde que ce soit ici. Comment on va faire cela de façon particulière, mais je pense que je dois déférer au ministre de la Justice, au ministre de la Justice provinciale. Vous avez été vous-même ministre de la Justice pendant plusieurs années avec beaucoup de brio et vous êtes conscient, en fait, probablement plus que moi, des problèmes et des difficultés à résoudre ces problèmes relativement à ces questions compliquées. Thank you, Mr. Carler. Thank you. Madame Picklet. Bonjour, M. Nadon. Donc, mais tout d'abord, je suis très heureuse d'être ici. C'est ma première participation à un comité comme celui-ci, et je suis très honorée de pouvoir vous poser des questions. Et donc, vous avez mentionné dans vos remarques du début la règle de droit. Donc, je ne peux pas vous dire à quel point, comme j'ai étudié en droit à l'Université de Montréal, à quel point mes professeurs ont répété l'importance de la règle de droit. Et vous avez dit que la Cour est la gardienne de la règle de droit. Donc, je trouve que c'est une affirmation très intéressante. Et j'aimerais pouvoir vous entendre justement sur votre vision générale du rôle de la Cour, en fait, en interaction avec les différents pouvoirs. Donc, ça fait suite à ce que vous avez dit avec les pouvoirs législatifs et le pouvoir exécutif en tant que, justement, gardien de la règle de droit. Bien, je pense que c'est clair, le pouvoir judiciaire, c'est le pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire a son champ d'activité. Le législatif a un rôle très différent du pouvoir judiciaire. Évidemment, l'exécutif a un rôle très différent. Nous, la magistrature, nous sommes très
protecteur de notre juridiction et du rôle qu'on a joué dans la société. Et je conçois que les législateurs et l'exécutif aient la même vision quant à leur rôle. J'ai de la difficulté à parler d'interaction parce que une partie de notre rôle, c'est une grande partie de notre rôle, particulièrement dans les cours fédérales, où le gouvernement fédéral est une partie constante devant nous, je ne dirais pas tous les jours, mais presque. Donc, entre le gouvernement fédéral, l'exécutif et nous, il y a des barrières, je dirais, des barrières plus hautes que le mur de Berlin, qui fait que eux et nous, on ne se parle pas, on est loin, on doit tous les jours réviser leurs actions, que ce soit concernant la charte, en matière de révision judiciaire des tribunaux administratifs créés par l'exécutif. Et donc, nous sommes dans des sphères très différentes. Il y a une certaine action. On a vu dans le passé la Cour suprême, dans certains jugements, faire des suggestions à l'exécutif ou au Parlement lorsque la Cour voyait des problèmes qui menaient pour la Cour peut-être à une injustice ou à un résultat qui n'est au vu de la Cour inacceptable. Et donc, la Cour a tenté à l'occasion de faire des suggestions, autres que les remèdes de la Charte, qui sont différents. Il y a une certaine interaction implicite, mais je ne serais pas prêt à dire qu'on est en dialogue constant. Ce serait un danger. On veut tous en arriver au meilleur résultat possible, à une justice. On a tous, je pense, au Canada, on a une conception de justice à laquelle on veut tous arriver. Mais on nous a donné comme rôle des outils différents. Les parlementaires ont des outils différents que les nôtres pour arriver à la justice. Et nous, on a les rôles. Vous savez, lorsque les pères fondateurs américains ont créé l'indépendance américaine et ils ont créé le Bill of Rights, James Madison, qui était un des grands artisans de ça, il avait écrit dans les Federalist Papers que, en parlant des tribunaux, il avait dit the least offensive branch. Et par ça, il voulait dire bien, les juges, ils sont là, mais on n'a pas trop à s'en préoccuper parce qu'ils vont regarder la loi, ils vont l'appliquer. Dans les années plus récentes, on a vu des livres qui ont dit « the most dangerous branch » parce que certains, comme le soulignait le professeur, certains pensent que les tribunaux vont trop loin. L'approche des tribunaux est gardée, c'est-à-dire que les tribunaux doivent faire grandement attention de ne pas s'ingérer dans le pouvoir législatif ou le pouvoir exécutif. Quant à moi, c'est essentiel. De la même façon que nous, on garde de façon rigide nos pouvoirs et nos privilèges face à l'administration. Et vous avez rendu des décisions dans des cas qui étaient quand même assez médiatisés. Donc, et je pense que ça serait intéressant que vous nous parliez un petit peu de la façon dont justement vous avez géré, par votre expérience, ce type d'affaires très médiatisées, donc le stress ou exact. Comment vous avez fait pour gérer à rendre des décisions dans ce genre de cas très médiatisés-là? Je vais dire qu'il n'y a pas de stress. On est conscient que notre décision va faire les médias. De la même façon qu'on est conscient quand on rend certaines décisions, on est certain que la décision va aller en Cour suprême. J'ai même pensé que ça changeait notre modus operandi, c'est-à-dire que une décision, c'est compliqué comme ça se bâtit souvent sur quelques mois. On travaille très fort, on regarde tout, on soupèse. On regarde évidemment la jurisprudence de la Cour suprême parce que comme vous le savez, c'est la règle d'or. Si la Cour suprême dit A plus A, ça fait AB, on n'a pas le choix, qu'on soit d'accord ou non, là, c'est AB. Et donc, l'aspect médiatisé, c'est un aspect secondaire. Simplement, c'est que notre nom va peut-être apparaître dans les journaux, là, puis on va dire quel bon jugement ou quel mauvais jugement. Mais on est habitué à ça. Ce n'est pas une préoccupation, ce n'est pas quelque chose qui est dans notre tête quand on rédige les jugements. Tous les jugements, pour nous, sont importants, même les moins médiatisés. Souvent, il y a des jugements qui ne sont pas médiatisés, qui sont beaucoup plus compliqués et plus importants pour la société. Mais ils ne font pas les manchettes, mais 5 ans après ou 2 ans après, on voit les impacts de ces décisions. Donc, je dirais que la seule pression sur un juge,
c'est mon opinion à moi, c'est de rendre le meilleur jugement possible. Et quand on signe un jugement, je connais beaucoup de collègues, on entend, quand on signe un jugement, souvent, on prend une minute ou deux pour regarder le plafond et dire, voici, OK, do I have it right or not? Mais jusqu'au moment de la signature, on, je ne parle pas des dossiers très simples, là, mais les dossiers qui ont d'importance, on regarde, il y a toujours des parties grises dans l'échiquier, les parties blanches, les parties grises, et il faut, c'est de mettre tout ça ensemble. Et donc, la seule pression véritable, et c'en est une, c'est d'en arriver au bon résultat. Pas parce qu'on a peur de se faire renverser par la Cour suprême, parce que, comme je le disais tantôt, si j'écris un bon jugement qui va en Cour suprême, peu importe le résultat final, mon jugement va les aider d'une façon ou d'une autre. Et c'est ça qui est notre contribution au processus judiciaire, à nous, les cours d'appel. Le temps pour une autre question très courte. OK. Comme vous le savez, en Cour suprême, environ 60 % et un petit peu plus peut-être des affaires sont relatives au droit criminel. Donc, dans votre CV, justement, bon, comme on dit, vous êtes un expert international en droit maritime, etc. Et j'aimerais peut-être que vous puissiez nous parler un petit peu de votre expérience en droit criminel et surtout votre vision du droit criminel au Canada. Bien, mon expérience en droit criminel, comme je l'ai dit, à la fin de la faculté, je voulais être procureur de la Couronne. J'avais acheté tous les livres possibles sur le sujet. J'en savais beaucoup. Et je n'en ai pas fait depuis ce temps-là. Il faut comprendre, et que les gens qui écoutent, l'une des grandes facultés d'être avocat, et comme juge, c'est qu'on apprend rapidement. Tous mes collègues, incluant les juges qui sont à la Cour suprême, ont pratiqué un jour dans un certain droit. Et ils sont devenus juges et appelés à rendre des jugements sur des sujets qu'ils ne connaissaient pas du tout. Et jusqu'à la Cour suprême, on voit à la Cour suprême, certains juristes arrivent, ils ont une grande expertise en droit criminel, ils n'ont pas d'expertise en matière commerciale. La grande faculté, je pense, qui est la nôtre, c'est qu'on apprend rapidement. Et on apprend rapidement avec chaque dossier. On apprend rapidement parce qu'on est conscient, si je joins la Cour suprême, vous pouvez être certain que dans les prochains 3, 4 à 5 mois, je vais m'instruire complètement en droit criminel. Je ne deviendrai pas en 3 mois un expert comme le juge Fisch, mais je peux vous dire que quand je vais siéger, je vais savoir ce dont je parle. Comme on le fait dans tous les domaines, quand je suis allé en Cour fédérale, je ne connaissais rien en matière de brevet. Et si vous croyez-moi que ce n'est pas une matière facile, j'ai appris l'impôt quand je suis arrivé en Cour d'appel, même si c'est un sujet que je n'aimais pas quand j'étais à la faculté. Mais on apprend très rapidement, donc je ne pense pas qu'il n'y a aucune anxiété à y avoir de ce côté-là. Et il ne faut pas oublier qu'il y a des collègues qui sont sur la Cour suprême qui connaissent la matière de long en large. Et donc, ma vision du droit criminel, merci. J'ai lu le droit criminel, je le comprends, mais je pense que pour ma vision du droit criminel, vous allez devoir attendre que je me sois instruit comme il faut et que j'ai la chance de voir un véritable problème pour voir ce que j'ai à dire. Merci. Merci beaucoup. Je vais à Robert Gauguin. Monsieur Gauguin. Merci, Monsieur le ministre. Tout d'abord, Monsieur le juge, félicitations. Bravo. En relisant vos décisions, on est convaincu que votre capacité d'analyse sera certainement un atout à la Cour suprême. Mais pas tous qui sont ici et tous qui sont à l'audience à la télévision ont eu l'occasion de lire vos décisions bien précises. Alors, c'est un dialogue qui nous permet de constater vos pensées et vos réflexions. Ça nous donne un aperçu parfois confortant, si vous voulez, de votre façon de voir les affaires. J'ai noté de vos commentaires que vous avez, comme avocat et comme juge, eu l'occasion de poser beaucoup de questions. Et bien que le juge Baudouin nous dise qu'il ne s'agit pas d'un interrogatoire à l'américaine, je pense que vous conviendrez que c'est beaucoup plus plaisant que de poser les questions que les répondre. Alors, sans plus tarder. Madame Pichette vous a posé une question que j'aimerais toucher dessus. Puis on parle des trois pouvoirs du gouvernement, le pouvoir législatif, exécutif, judiciaire. Comment constatez-vous, comment voyez-vous le rôle de ces trois pouvoirs, l'entrejoint entre les deux? On sait que depuis l'ère de la Charte, il y a certains interjeux qui s'est intensifié. Pourriez-vous nous commenter là-dessus? Bien, comme j'ai tenté d'expliquer, ce sont trois pouvoirs séparés. Ce sont les trois ordres de gouvernement. La Charte est l'exception. C'est-à-dire que lorsque moi, j'ai,
j'ai fait mon cours de droit et quand j'ai commencé à pratiquer, oui, en 74, avant l'avènement de la Charte, quand le Parlement passait une loi, les tribunaux l'appliquaient point à la ligne. Il n'était pas question pour les tribunaux de commencer à dire, bien, il y a des problèmes avec votre loi. Ça ne se passait pas comme ça. Et donc, ça reconnaissait que le Parlement était maître des législatifs, que les tribunaux devaient respecter cela. Et c'est toujours le cas. Sujet à la Charte, parce que ce que la Charte a dicté à la magistrature, c'est-à-dire regarder la législation et regarder, par exemple, s'il y a de la discrimination telle qu'elle est prévue à l'article 15 du droit à l'égalité, est-ce qu'il y a des brèches dans la vie, la liberté des citoyens qui résultent de cette disposition. Et les tribunaux, comme des coureurs, ont pris le bâton et ont regardé toutes ces grandes questions, vous le savez, depuis 82 et particulièrement 85. Mais la règle, à mon avis, demeure qu'il y a une séparation de pouvoir. S'il n'y a pas de problème de charte, les tribunaux, leur mandat, c'est d'appliquer la loi telle que promulguée par le Parlement du Canada. Je pense qu'il n'y a pas un juge qui va venir prétendre le contraire. Je pense que c'est comme ça et c'est nécessairement comme ça. Comme je disais tantôt, l'exécutif, c'est un peu différent parce que beaucoup de décisions de l'administratif sont sujets de par la loi, qui est prévue dans la loi sur la Cour fédérale. Donc, ce n'est pas les tribunaux qui ont inventé ça, c'est le législateur qui a permis aux tribunaux de réviser certaines décisions administratives et celles qui sont faites par les tribunaux administratifs. Donc, ma réponse en trois mots, c'est qu'il y a une séparation de pouvoir qui doit être respectée et gardée, à mon avis. Et compartiment étanche. Oui. On remarque que votre curriculum, vous avez quand même pratiqué le droit comme avocat pendant plusieurs années au Québec. Et puis, vous avez également été juge, évidemment, au Québec, à la Cour fédérale. Est-ce que vous pourriez élaborer comment votre expérience comme avocat pratiquant au Québec vous a préparé pour votre juge à la Cour suprême? On sait que le bijuridisme, c'est très important pour les nominations du Québec. Bien, j'ai, comme vous le savez tous maintenant, puis c'est connu, je pense, par l'ensemble du Canada depuis quelques jours que je suis pratiquant en droit maritime. Le droit maritime est un droit particulier parce que l'un de mes grands amis, qui est bien connu par M. Cotler, le professeur Tetley, qui a été avocat dans mon bureau, qui a été ministre pour le gouvernement libéral de Jean Lesage, pas de Jean Lesage, mais Robert Bourassa, et qui a été professeur émérite à l'Université McGill, et qui était un professeur de droit maritime et un pratiquant. Il a écrit de nombreux livres sur la science du droit maritime. Et l'une des choses qu'il a découvertes, entre autres, c'est que les origines juridiques du droit maritime sont des origines non pas de common law, mais des origines de droit civil, et que tous les principes fondamentaux de droit civil peuvent être trouvés dans les principes de droit civil romain. Le professeur Tetley a beaucoup écrit là-dessus, et j'ai moi-même eu la chance de regarder, c'est vrai, et pour ceux d'entre vous qui ont une passion pour la littérature anglaise, dont Charles Dickens, si vous regardez à la page 108 de mon édition de David Copperfield, il y a un exposé très précis et drôle de ce que faisaient les cours maritimes à Londres dans les années 1700 et 1800. Et il explique clairement que ce sont des civilistes. Et il explique que les gens qui faisaient du droit maritime n'étaient pas des avocats de common law, mais des gradués d'Oxford et Cambridge qui avaient été entraînés en droit romain. Et ces gens-là ne faisaient que deux choses, le droit maritime et le droit canonique. Les origines y sont, on les voit quand on regarde les principes, ils sont là. Et donc, j'ai eu une pratique où j'ai été appelé, j'ai même plaidé une cause en Cour suprême assez connue, en ITO, où la cause avait été plaidée sur le droit civil et sur la common law parce que c'était incertain ce que la Cour suprême allait décider. C'était incertain quel était le droit applicable. C'est une situation qui s'était passée au Québec, un vol dans le port de Montréal. Mais la question, c'était est-ce que c'était le droit civil qui régissait les relations contractuelles ou c'était la common law. Et on a plaidé ça dès la première instance, Cour d'appel et en Cour suprême, dans les deux systèmes juridiques, bijuridiques. Il y a beaucoup de, contrairement à ce que peut-être certains pensent, il y a beaucoup de liens entre la common law et les droits civils. Ce ne sont pas deux systèmes juridiques complètement différents. Les termes sont souvent différents, l'approche est différente, mais la plupart du temps, on arrive au même résultat, que ce soit en matière contractuelle, délictuelle,
Maintenant, le Québec a adopté les fiducies, qui n'existaient pas quand j'ai pratiqué le droit, en grande partie copiées sur ce qui existait en droit anglais. Donc, ce sont deux systèmes parallèles, mais qui ont beaucoup d'entre-gens entre eux. Et donc, quand on pratique, comme je l'ai fait, on n'est pas les gens qui... De dire qu'on ne fait pas de droit civil, je ne dirais pas que c'est faux, c'est une opinion, mais ce n'est pas exact. On fait quand même beaucoup de droit civil. Quand on plaide au Québec devant les tribunaux, là, on fait du droit civil constamment, même en juridiction fédérale. Les avocats qui pratiquent devant nous en marque de commerce, brevet, pourraient témoigner que pour aller plaider des causes en cour fédérale, en cour d'appel fédérale, en brevet, en marque de commerce, au Québec, il faut comprendre et bien comprendre son droit civil. Sans ça, ce ne sera pas drôle, parce que c'est ça qui sous-tend tous les principes statutaires. C'est bon. OK. Merci, Robert. La prochaine, c'est M. Jacob. Bonjour, M. le juge Nadon. Je suis très heureux de participer à ce grand dialogue. Ma première question est à l'effet, c'est avez-vous des mentors ou des juristes modèles particuliers tout au long de votre carrière? Vous avez été avocat et juge. Y a-t-il un juge, justement, à la Cour suprême, qui vous a inspiré particulièrement? Contrairement à mon amour pour les Red Wings de Détroit, il n'y en a pas juste un. Je pense que j'ai lu beaucoup de biographies d'anciens juges de la Cour suprême, le juge Laskin, le juge Dixon, le juge Duff, trois qui me viennent à l'esprit, qui étaient tous... des juristes exceptionnels, des époques différentes. Évidemment, le juge Duff, c'était à une époque pré-la charte. Le juge Laskin est décédé, je pense, en 86, donc c'était au début, puis le juge Dixon qui a pris la relève, et qui ont fait des contributions massives. Quand on regarde tous les juges qui sont allés à la Cour suprême, on est humain comme juge, on n'est pas d'accord avec tout ce qui est dit par les juges. On a des opinions différentes, ça fait partie du débat, mais ils ont tous fait des contributions extraordinaires pour toutes sortes de raisons. Je pense que des héros, j'en ai eu beaucoup, en ce sens que tous mes avocats seniors qui étaient là quand j'ai commencé, des collègues à la Cour de grande réputation, je n'en nommerai pas un ou deux parce que si je n'en nomme deux, j'en ai probablement cinq ou six qui vont me téléphoner ce soir pour me dire que pourquoi tu ne m'as pas nommé. Mais je dois dire que la qualité de la magistrature au Canada, à mon avis, est exceptionnelle. On n'est pas parfait. Est-ce qu'on fait des erreurs? Oui, ça doit arriver à l'occasion. Mais je pense que les juges, comme groupe aujourd'hui, font un travail absolument exceptionnel dans des conditions qui ne sont pas faciles. Je me rappelle quand j'ai commencé à pratiquer en 1974, la quantité de travail qu'avaient les juges à l'époque, contrairement aujourd'hui, c'est minimal. Et je vais dire quelque chose au soutien de la Cour fédérale et de la Cour d'appel, mais il y a peu de dossiers simples devant nos cours. Ce sont toujours des dossiers de droit fédéral, avec des implications administratives. On fait beaucoup de droit administratif. Pour ceux qui sont de mon âge, qui se rappellent leur cours de droit, le droit administratif, c'est un cours simple de 2 crédits par semaine. Et on s'en allait puis on ne pensait jamais à ça. Aujourd'hui, c'est peut-être le sujet qui revient le plus souvent devant nos cours, devant la Cour suprême, sous toute forme. Le droit administratif est présent sous toutes ses formes. Et ça demande beaucoup, beaucoup de travail. Et les juges, aujourd'hui, font un travail exceptionnel. Je pourrais vous dire, j'ai lu les biographies de tous les grands juges anglais, parce que notre système en résulte. Il y a eu beaucoup de grands juges anglais depuis 1700, 1800. La règle de droit a évolué parce qu'il y a eu des grands juges qui l'ont fait évoluer à travers le temps pour en arriver là. Et je pense qu'on ne le dit pas, mais il faut faut remercier tous ceux qui sont passés avant, qui ont fait tout ce travail, qui nous permettent d'en être où on est avec la règle de droit telle qu'elle est aujourd'hui. Ce n'est pas toujours évident quand on regarde ce qui se passe dans le monde d'en arriver à ce qu'on a. Merci, M. le juge Nadon. Ma deuxième question, c'est, j'aimerais ça savoir, c'est quoi l'importance pour vous du bilinguisme à la Cour suprême du Canada? Je ne veux pas vous donner une opinion sur est-ce que c'est mieux d'avoir tous des juges bilingues ou non.
c'est évidemment le bilinguisme, c'est important. C'est important au Canada. Et je dirais que dans un monde idéal et dans un monde parfait, tous les juges à tous les niveaux seraient parfaitement bilingues. La réalité est différente pour toutes sortes de raisons. Et je pense que c'est un but qui est noble. Je pense qu'il ne faut pas l'oublier. C'est un but qui est noble. Par contre, il y a d'autres considérations dont on doit tenir compte. Et c'est l'exécutif qui doit tenir compte de toutes ces choses-là. Et je ne suis pas l'exécutif. J'étais tenté de vous dire autre chose, mais c'est un problème pour l'exécutif. Mais pour répondre à votre question, je pense que le bilinguisme au Canada, c'est important et c'est un but très noble que tout le monde soit bilingue. Je pense que je vais m'arrêter là. Okay. Moi, je le suis moi-même. Je pourrais pas dire que c'est pas utile, là, que c'est pas important. Merci, M. Juge Nadon. Donc, il me reste un petit peu de temps encore. Et oui, un autre 3 minutes. 3 minutes, OK. Donc, j'ai le temps pour une troisième question. Donc, j'aimerais que vous avez dit que vous avez pratiqué de façon indirecte souvent le droit civil. J'aimerais ça que vous me donniez votre vision du droit civil dans le droit canadien. Bien, le droit civil du Québec, qui remonte au Code civil de 1866, puis on connaît tous toute l'histoire de la conquête jusqu'à 1866, que le droit civil s'est défendu farouchement par toutes sortes de façons pour survivre. C'est le droit privé du Québec. C'est le droit privé, c'est le droit qui, hormis les questions, les lois statutaires passées par le gouvernement, le droit civil, c'est le cœur, c'est le centre nerveux de toutes les relations entre les citoyens au Québec, que ce soit en matière contractuelle, délictuelle du Québec. Il est différent, à certains égards, de la common law, qui est l'équivalent dans les provinces maritimes et dans les provinces canadiennes et dans le monde anglo-saxon. Donc, le monde anglo-saxon vénère la common law, avec raison. De la même façon que nous, au Québec, on vénère le droit civil. Il y a toute une influence. Il y a même une dimension culturelle à notre Code civil qu'il ne faut pas délaisser. Et c'est pour cela que, je pense, dans les tribunaux fédéraux, il y a des dispositions semblables à ce qui est dans la loi sur la Cour suprême que, par exemple, à notre Cour, il y a 5 représentants du Québec sur 11. Ça peut paraître surprenant, là, on est 11. Et c'est dû au fait que je pense que il pourrait y avoir plus de juges à la Cour d'appel fédérale. Là, ça n'a pas été fait pour le moment. Mais il y a 5 juges du Québec à la Cour d'appel fédérale. C'est beaucoup. Et ces juges, comme moi, sont gardiens du droit civil parce que quand on entend une cause à Montréal ou à Québec où on va régulièrement, ces problèmes surgissent. Les avocats sont diplômés des facultés de droit civil. C'est le droit, c'est leur droit, c'est le droit de la population du Québec. C'est un droit qui doit être protégé. Et je dis, le droit civil du Québec a une vocation culturelle aussi qui est indéniable, à mon avis, et qui est sacrée. Et donc, nous, les juges du Québec, dans les tribunaux fédéraux, on est là, entre autres, pour faire en sorte que ce droit soit protégé. Et je pense qu'on l'a bien fait jusqu'à présent, et de ne pas sacrifier le droit civil à la common law. Pas plus que quand on va dans les provinces de common law, on sacrifie pas la common law, le droit civil. Mais ce sont deux régimes de droit privé à être protégés, et en particulier au Québec, parce que, comme je dis, il y a une dimension culturelle à tout ça, à laquelle on est fortement attaché. Merci, M. Nadon. Merci beaucoup. Merci, M. le ministre. Merci, M. Gaud. Merci, M. le ministre. Félicitations, juge Nadon, pour votre sélection. Dans la même ordre d'idée, on sait que la Cour suprême du Canada on a 3 juges qui viennent du Québec. Et on a le Code civil qui est prévu au Québec, la common law à l'extérieur du Québec. Est-ce que ça donne un avantage aux jugements au niveau international? Est-ce que nos jugements sont plus reconnus? Parce que je sais que vous avez une grande expertise, une grande expérience en droit maritime et transport, et ça doit avoir touché beaucoup au niveau de l'international. Si oui, expliquez-nous pourquoi le système canadien, il y a des avantages et des inconvénients d'avoir le Code civil et la common law,
Mais ce qu'on m'a rapporté, que c'était un énorme avantage au niveau international. Mon jugement était reconnu puis était souvent pris en jurisprudence. Pouvez-vous nous élaborer là-dessus, s'il vous plaît? Bien, vous savez, une grande partie des pays sont des pays anglo-saxons, que ce soit l'Angleterre, les États-Unis, avec quand même des régimes. Ce sont des régimes anglo-saxons de common law. Mais depuis 30 ou 40 ans, il ne faut pas se leurrer, l'aspect statutaire dans tous les pays a pris de plus en plus d'importance. La common law n'est plus la common law comme elle l'était en 1850, où elle régissait tout le droit privé. Il y a beaucoup d'interventions législatives, il y a des statuts, des lois qui font en sorte que certains secteurs du privé, si je peux l'appeler ainsi, sont régis par des lois statutaires. Je pense que la raison pour laquelle je pense à l'international, il y a de l'admiration du Québec, on reconnaît que les tribunaux du Canada, et en particulier la Cour suprême tranche des problèmes et de droit civil et de common law. Et donc, les cours australiennes, par exemple, de Nouvelle-Zélande, d'Angleterre, se reconnaissent dans cette dimension. Par exemple, la Louisiane est un État de droit civil. Je ne sais pas, probablement beaucoup d'entre vous le savez, mais pour ceux qui ne le savent pas, en Louisiane, il y a un code civil semblable au nôtre, et on pratique le droit civil en Louisiane. En Écosse, c'est la même chose. En Écosse, c'est un pays de droit civil. Il y a beaucoup d'endroits dans le monde qui sont des pays de droit civil. La Louisiane et l'Écosse est plus semblable, à mon avis, là, je vais faire attention à ce que je vais dire, c'est beaucoup plus semblable au code civil du Québec que ce qu'on retrouve dans des pays comme la France. Le droit civil français et le droit civil québécois, c'est différent. Ils ont un code civil, mais toute l'approche au droit qu'on retrouve en France est très différente de ce qui se retrouve au Québec. Mais le Canada est tenu comme exemple parce qu'il y a les deux systèmes juridiques. Nos cours et, entre autres, la Cour suprême se penchent régulièrement sur des problèmes de ces deux rangs. Nos cours sont respectés parce qu'on a la règle du droit. Et évidemment, tous les pays aspirent à ça. Nos juges ont été brillants, je veux dire, j'en ai parlé tantôt. Nos juges sont reconnus comme étant de grands juges à travers le monde, et donc tout ça, ça a une influence. Par exemple, ici, quand on regarde des décisions australiennes ou anglaises qui ne nous lient pas, mais évidemment, il peut y avoir des arguments persuasifs qui nous aident nous-mêmes à comprendre notre droit, que ce soit le droit civil ou la common law. Et donc, il y a une interaction entre tous ces régimes de droit. Merci. Notre système de justice pénale moderne est essentiellement considéré comme un processus de confrontation entre la poursuite et l'accusé. Puis, dans la plupart des cas, est représenté par un avocat de la défense. À votre avis, quel est le rôle de la victime d'un acte criminel dans notre système de justice pénale d'aujourd'hui? C'est une question à laquelle je préférais pas répondre. Je vais vous dire pourquoi. Je sais que aux États-Unis, par exemple, dans certains États, il est commun maintenant que, au moment de la sentence, la victime, ou si la victime est décédée suite à des actes criminels, les parents proches viennent témoigner et dire à la cour, ben voici. À mon avis, c'est une question un peu de policy. C'est une question philosophique, à savoir est-ce que ça devrait exister ou non. C'est une question qui, à mon avis, est clairement de l'apanage de l'exécutif, du ministre de la Justice. J'aurais des difficultés à aller plus loin que ça, à vous donner une réponse. Je sais que vous aimeriez, puis je serais tenté de vous exposer, comme je disais tantôt, ma vision sur beaucoup de choses, mais... je ne suis pas ici pour vous exposer ma vision personnelle des choses. La qualité fondamentale d'un juge est sa capacité de rendre décisions précises, concises, bien fondées. On sait que certaines décisions sont courtes, que certaines décisions sont plus longues. Il y a des juges qui ont tendance à avoir des décisions assez courtes, en général, d'autres sont assez longues. Mais vous jugez comment là-dedans? Est-ce que vous aimez ça être précis, concis ou élaboré d'une façon plus théorique? Je n'ai jamais été aussi concis et précis que j'aurais voulu. Quand j'ai commencé comme juge, on nous donnait des cours. Des cours de rédaction. On les donne toujours. Et je me souviens, entre autres,
il y avait un de nos enseignants nous avait donné comme modèle un des fameux juges anglais, Lord Denning, qui était reconnu pour sa concision, sa précision. Il avait une façon particulière d'écrire des jugements et que nous tous nous admirions. Même la Chambre des Lords, qui le renversait régulièrement, l'admirait. Il le renversait quand même. Mais je me souviens d'avoir fait le commentaire, bien, si je pouvais écrire comme Lord Denning, je ne serais pas Marc Nadon, je serais Lord Denning. Et quand on regarde dans la littérature, on en voit chaque juge, je pense que je peux, après 20 ans, je sais que mes collègues m'ont souvent dit ça, quand je lis une décision, je n'ai pas besoin de voir ton nom au bas de la page, je sais que c'est toi. Et beaucoup de mes collègues, c'est comme ça, je lis leur décision, je sais qui a écrit. Chaque juge, en fonction de sa personnalité, sa façon d'aborder des problèmes, a une façon de... Je ne pense pas que je sois des plus longs, mais je ne suis pas le plus court. Pas parce que je ne voudrais pas. Je pense que, encore une fois, dans un monde idéal, on serait tellement précis qu'on le dirait en 10 pages et non pas 25 pages. Mais c'est un peu comme de la littérature. Il n'y a pas un grand auteur qui écrit de la même façon. Mais je concède qu'il faut être précis et concis. En terminant, ma dernière question, vous avez beaucoup d'expérience, vous avez des qualités, lesquelles qui seraient complémentaires à la Cour suprême? Vous connaissez les autres qui sont là, mais sûrement vous avez des qualités qui vont permettre à la Cour suprême d'être plus complémentaire, d'être… Écoutez, en premier lieu, je suis un penseur, je représente un independent thinker. Je pense et je fais du droit depuis 40 ans. Je pense à ça constamment. Je ne vous dis pas que je pense à ça au milieu de mes rêves, au milieu de la nuit, mais je pense constamment aux problèmes qui sont devant nous. J'ai écrit sur plusieurs sujets. Il y en a d'autres sur lesquels je n'ai pas écrit, mais il faut comprendre que quand on n'est pas à la Cour suprême, il y a des limites à ce que l'on peut et doit écrire, parce que c'est la Cour suprême qui établit les principes. Et le principe étant établi, ce n'est plus à moi de dire à la Cour suprême, bien, écoutez, moi, je ne suivrai pas vos principes. Avec raison, on me donnera une tape sur les doigts, en fait, plus forte que ça. Donc, je suis un penseur indépendant, donc je pense que c'est déjà quelque chose d'important. J'ai beaucoup de patience. Je travaille bien avec mes collègues. Je n'ai jamais eu de problème avec qui que ce soit. Je suis prêt à mettre de l'eau dans mon vin quand nécessaire et de ne pas en mettre quand je pense qu'il n'y a pas question de mettre de l'eau dans le vin. J'ai une expérience dans beaucoup de domaines du droit. Je n'en ai pas en droit criminel, mais j'ai beaucoup d'expérience en matière commerciale générale. J'ai fait beaucoup de dossiers de charte, des dossiers importants. J'ai fait des dossiers de droit constitutionnel, à savoir si c'est 92 ou 91 de l'acte constitutif. Donc, j'ai un vécu qui est différent et chaque juge a son vécu différent. Et donc, je peux contribuer à influencer possiblement mes collègues et comme eux vont pouvoir m'influencer dans certains domaines. Comme je dis, c'est un travail collectif. C'est un travail, quand on voit un jugement, il y a beaucoup d'efforts collectifs. Même quand il y a des dissidences, c'est quand même un travail collectif de longue durée pour arriver au résultat. Et donc, je pense que j'ai des choses que je peux apporter, mais ce que je peux vous dire, c'est que je vais... faire ce que j'ai toujours fait, travailler très fort puis pour arriver au résultat qui est le résultat correct compte tenu de la loi puis de la jurisprudence de la Cour suprême. Merci beaucoup. Colleagues, I note that we are more than halfway through the process now and we're on time, which again is great. You've all been very respectful and considered in your questions. We can take a short break. If anyone requires a short break, I'm in your hands, Monsieur Nadon. We can continue on. What is the preference of the committee? Comme j'ai dit, c'est à mon tour d'être interrogé, donc je vais faire ce que les membres veulent faire, ce qu'ils préfèrent. Very good. Well, I take it then it's the preference that we continue on, and that being the case, the floor is yours, Mr. Calloway. Thank you, Minister McKay. We know we're far down the list in this interrogation, Judge Nadon, but let me add my congratulations to your nomination. I imagine it's a bit for your profession like making the Detroit Red Wings, so it's a great honor and congratulations, I'm sure, can't come often enough.
Let me ask you, if you would, to reconcile a couple things for me. I was struck by Maître Beaudoin's context setting, his remarks about the law and its importance in our society. And he talked about the Supreme Court being the last word on a set of complex laws and regulations, and in fact the Supreme Court becoming more important since the adoption of the Charter, and that in fact from that bench you define a free and democratic society. I think I got all of that right. And yet, I'm not a lawyer, but I'm married to one, and that means that the legal system and courts and all the rest of it have been the subject of much conversation around the dinner table in my house for about 20 years. And I have to say that it's there's a certain complexity to all of that, and it's a bit frankly mystifying, I think, to most Canadians what that system looks like. And I was kind of struck when I think the question came from Minister Glover about accountability, and if I got your answer correctly, you were talking about accountability to yourself as a judge and to those before you as a judge, including the lawyers. But I'm wondering how you reconcile the role of the judge, especially from the Supreme Court bench, as being so important in our political system, really, so important to Canadian society, and yet the fact that the system seems very much shrouded in mystery to the average Canadian. And do you see then, and this may go back to Mr. Gord's question about a writing style too, do you see any kind of responsibility for demystifying what it is that the Supreme Court and the whole judiciary does for the Canadian system, so that Canadians have a better appreciation of kind of what's going on out there? Well, there is no doubt that the law is filled with technicalities and complexities, which often make it difficult, even for avid observers of the judicial system, to always understand, so that people who have no connection to the legal world, things are even worse, or even more difficult to understand. I think since I became a judge, we the courts have tried to a certain extent demystify and make things easier for people to understand. We regularly revise our rules to make them simpler, so they can be understood even by non-lawyers. I think we've succeeded reasonably well, although we can only go so far in that direction, because it's a system that remains necessarily technical up to a certain point, but we've tried. In some respects, we've allowed the press to have better coverage of the courts. We've even, depending on the courts and the provinces, we have allowed cameras in the courtroom so that people can look at how judges react, how they interact. I think all of the Supreme Court hearings, I think, are televised. Although I'm still told that Judge Judy is still more popular. But I think to think we can't totally remove the cloak of mystery. I think it's the nature of the beast, so that we've gone a long way, but I think perhaps not as far. And I think there may be, I think I have tried deliberately leading to today not to read too many of the papers, to keep my mind open to all of your questions. But I think to a certain extent, the papers have written on what's going on today, what's at issue, why we are here, so the public is in a position to understand. I think the court themselves have a duty, and I think we have, and I think we still have a long way to go, to write reasons which the public can understand and can relate to. I think these are various measures that we're all attempting to do, and I think we still have a way to go on this. But I think if we read, to take your colleagues, more concise and precise reasons that the public can understand, the public will
It's important the public understand. I agree entirely with you that the public has to understand what we do, why we do it, and it's part of our job to explain it as we go along. But I think it's also part of the job of the media, those that follow the court activities, to explain as best that they could in a clear and, I'd say, correct way what courts do on a day-to-day basis. Most people don't have involvement with the courts. Most of us as persons, we rarely appear before the courts, so they always remain a bit like a medieval church. Although I think we've done with that, we've taken off the wood floorings and the wood paneling, so they're a bit more friendly. But I think it's partly our responsibility, but I think it's partly the responsibility of all those who have any interest in the functioning of the court, including, I think, the media, to take steps to make justice more open so that they can explain it better to the public. It's not an easy effort, but I think your point is well taken. 2 minutes. So very quickly, as you've made your way through your appointments in the judiciary up to this nomination, I'm wondering if you could reflect quickly, obviously, on whether your own views on what you're doing on the bench, what role you play, has changed over time. I don't think it's changed in any substantial way. I think my view of my role has become clearer as I have sat more and more. I've seen more issues, more litigants, had more time to reflect on most problems. I think I have a much better understanding, clearly I have a much better understanding, not only of legal issues, but of all the, issues on the sides surrounding the parameters of what we do, the context. Because, for example, if you're doing, say, immigration work, as we do in the federal court, the Courts of Appeal, well, it helps to read up on immigration, the problems facing immigrants, to understand the issues that come to it. We remain bound to decide in law, but it helps greatly, as I said, to understand all the problems underlying what comes as a legal issue to us. So I think my vision has clarified. I think I'm wiser, and hopefully in 10 or 15 years I'll be even more wiser. More wise. My wife would give me a slap if I said more wiser in the living room. She's a stickler for languages, so more Thank wise. You. Thank you. Great. Thank you very much, Mr. Calloway. Mr. Deckard. Thank you, Minister. Justice Nadon, it's a pleasure to meet you, sir, and congratulations on your selection. I hope you don't mind if I just point out that given the many things on your resume, the experiences you have, it's perhaps your experience with Canada's national sport that bodes well for the success of the Supreme Court hockey team. I assume there are Court of Appeal hockey teams across Canada that are very worried today. Another of your many experiences, though, is your, and you've mentioned it earlier, your period of time as a practicing lawyer. As a former practicing commercial lawyer myself, I wonder if you could give us your thoughts on how that gives you a perspective on your role as a judge, the role of the Supreme Court, and what does, perhaps another question along similar lines is, from that background, dealing with clients and different kinds of organizations and businesses, you counseled them and defended their interests, and how does the law that and the knowledge of that practical experience lead to stability and economic growth? What's the importance of predictability in law to stability and economic growth in our country? Well, let me take the easy question, predictability. I think courts have said for many centuries that part of the reasons why the doctrine of precedent existed was that there had to be predictability, and in part because if two citizens come before the court, one on Monday and one on Wednesday, with the same facts and the same issues, they should get the same result. It would not be good for one of them, and it would not be good for society if they
went home and had a chat, and with the same matter, they had different results. Part of the rule of law is, you know, we all talk about the rule of law, but those who've studied law, it's a pretty complex notion. But one of the aspects of the rule of law is to treat everyone equally, so that if you come with certain issues on the same facts, the courts are going to treat you the same as others, irrespective of race, sex, color of eyes, etc. That's what the rule of law requires. I say, subject to the specifics of the charter. So predictability is obviously very important, but not predictability to the point of madness, where a case has been rendered, but it's clearly wrong, or times have changed, and there are many other good reasons why the courts as well. There are good reasons why today, 10, 15, 20 years after, we should drop that case and revisit it. Commercial law, commerce is the lifeblood of our country and of many countries. It touches everyone's life, whether as employees, as employers, suppliers, producers. Patent law is a offshoot of commercial law. People who invent things, inventors. So commercial law affects every aspect of society, very important aspects. Everyone, directly or indirectly, is involved in commerce in Canada. So that law, which regulates all of these relationships, is extremely important. And it's an important part of, I think, what the Supreme Court does. We often forget that it does criminal law, it does charter work, but much of its work, I can think just of last year, in the world of patents, commerce, financial crisis, banks, all of that work is extremely important, not just for the purists of law, but these cases have great implications and consequences on the people of Canada. So it's an important aspect of what we do. Thank you. As a Court of Appeal judge, what principle did you follow in trying to determine whether a case should be heard again or a decision should be overturned? And how did your time as a trial judge impact on your views in that regard? Well, it's an easy question because on our court, in the Federal Court of Appeal, we have something called Miller versus Canada, where the court clearly said when it would revisit and set aside a former decision. And it's only in very exceptional cases where the court forgot an important principle of law, forgot to refer to a relevant statute. In other words, where we think we may have blundered a little bit, not necessarily because we are at fault, but because maybe the case was argued in a certain way and the lawyers did not make us aware of something of crucial importance. So we will only revisit our decisions in very exceptional circumstances. The reason I think we can allow ourselves to do that, because the parties have one of the options open to them, is to go to the Supreme Court. And the Supreme Court has the power to, and it does regularly, to our great chagrin, mm-hmm. set our decisions aside and tell us we were wrong. But that option is open to the parties. So in our court, we have very strict rules on that. We don't reverse ourselves lightly. Which doesn't mean, and I've done it on occasion, you can say, well, we're bound, we've decided this issue. And I have on occasion written saying, well, we're bound and I'm going to follow it, but let me tell you why I think we were wrong 5 years ago. And write it, once I wrote more pages on why I thought we were wrong than why we decided the case the other way. But we still have the power to criticize ourselves, which I think is essential in this business. So to answer your question simply is we have strict rules on when we will overturn ourselves. There was a second part to your question, but I've forgotten it. I apologize. About how your own experience as a trial judge yes. Reflected or impacted on well, your later work. In a general way, I think I would say being a trial judge is a essential
condition becoming a court of appeal judges. I think there are exceptions, but I think generally I think judges come from the trial division, because when you go to appeal, you have to understand how it actually works down in the trenches, because to a great extent, trial judges do a lot of trench work. It's a very difficult job. They have to go around tons of facts. They have to, it's like building a puzzle. They have a big, they have the pieces of a 500-piece puzzle, and they have to build it. And then it comes to us, and we have to say, well, is there one piece that's in the wrong place? So you have to understand the process of how a trial judge gets to building his puzzle, how he makes findings, how he makes decisions. So it's to me, it's essential that you get that experience before you go, you're elevated to the Court of Appeal. Thank you. Mr. Chair, so some time. Just quickly then, Justice Nadeau. A lot's been said about the mystery of all courts, including the Supreme Court here today, and it's been described as a bit of an ivory tower. You have to live your life a little bit differently on any court, especially in the Supreme Court. So how do you stay connected with the average Canadian? I know you've got a background and you're a fan of hockey, but how do you stay connected with the average Canadian as you do this important job? Well, that's very easy. I think we're, as you can see, very human beings. We have friends. Mm-hmm. We live a social life. We interact with our friends. You play golf. You go on trips with friends. You have dinners. You drink wine with friends. You discuss. I think we lead pretty normal lives, except there's only one thing. Judges have to be guarded as to what they say in regard to issues that might come before us. So it is not open to us, even in our private lives, to say whatever comes to mind about every single subject on the planet. That's one of the, I won't say negative, it's one of the things that you have to accept, that you have to be careful. You have to be careful where you go, not to get into trouble, even though you haven't done anything. Not to start heckling people because you're part of a spectator sport, something might happen. So you have to be very discreet and shut your mouth. Discretion is the better part of valor. But apart from that, I think we live pretty normal lives. I think, I certainly think in my life, I know people of all levels of society. I get along well with everyone. And I never thought my position was an obstacle to all of that. You don't go around saying, I'm a judge. I've had people ask me, what do you do in life? Mm-hmm. Sometimes I've tried just to not to listen, pretend that I haven't listened. If they really, really insist, I might say and then say, well, we're playing golf. My name is Mark, and let's get on and have a chat. So I think we have to lead normal lives. But as I say, we have to be guarded as to what we say. You have to. We have to be guarded as to what we do, because where we go and what we say is not really us. It's the institution of the court. So if I blunder, it's a stain on the court. If I say something stupid, it's a stain on the court, which is worse if it was just only me, but it's a stain on the court and on all of my colleagues. So it's very important. Careful. But I think we can lead pretty normal lives. We don't live in an ivory tower a little bit, but not too much. Thank you. Thank you, Mr. Deckard. And Madam Bateman, if you please. Merci, Monsieur le Président. And like the Minister said earlier, I am so honored to be here. I wish you well, sir. Thank you. And it's a privilege for all of us, I'm sure, to be a part of this process. Et j'ai entendu dire que mon collègue, Monsieur Cutler, a dit nous donne un grand compliment en ce qui concerne le dialogue que nous avons sont en train d'avoir. Et donc, Monsieur le juge, lorsque le Premier ministre a annoncé qu'il instaurerait ce processus par lequel des parlementaires examinent publiquement les candidats à une nomination à la Cour suprême, il a utilisé l'expression « tempérament judiciaire » pour décrire l'une des qualités que les parlementaires devaient rechercher. Le Premier ministre a dit que cette expression voulait dire la mesure dans laquelle un juge est prêt à appliquer la loi
plus tôt que la créer, à appliquer en faisant preuve de bon sens et de discernement, discrétion, comme vous avez déjà dit, mais sans se montrer inventif. J'aimerais savoir s'il s'agit de votre façon de percevoir le rôle d'un juge, sinon, comment voyez-vous votre rôle? Je pense que, je vais donner la réponse, je pense que tous les juges donneraient, que notre rôle, c'est, ce n'est pas de légiférer, c'est d'appliquer la loi promulguée par le Parlement. C'est ça le rôle du juge. Malheureusement, la loi n'est pas toujours claire comme de l'eau de roche ou crystal clear. Il faut interpréter les mots, il faut leur donner un sens et il y a. C'est pas comme une expérience de chimie, on met les ingrédients dans l'éprouvette et on le fait 20 fois et c'est toujours le même résultat. Le droit, malheureusement, n'est pas une science aussi exacte que la chimie ou la biologie. Le mot inventif est à certains égards le mauvais concept pour ça. Je pense que c'est clair qu'on ne crée pas la loi. C'est le Parlement qui crée la loi. On l'applique à la lumière de tout ce qu'il faut considérer, les faits, le contexte, et sujet évidemment à la charte. Donc, ma réponse, c'est que comme juge, ce n'est pas mon travail de trouver des solutions que le Parlement aurait dû trouver ou que le Parlement, auxquelles le Parlement n'a pas pensé. C'est le Parlement qui fait la loi et qui promulgue la législation. Et on l'applique sujet, aux questions de charte qui nous appellent à avoir un rôle un petit peu différent parce que la charte amène les tribunaux à s'ingérer un peu, à dire au Parlement « c'est inacceptable ce que vous avez fait, vous devez le refaire ». Mais hormis la charte, le travail juridique, c'est d'appliquer la loi. On n'est pas là pour... on n'est pas un autre ordre de Parlement là, on se dit pas « la loi n'est pas bonne, nous, on va la refaire ». Non, 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 c'est pas ça du tout. Moi, c'est pas ma philosophie à moi. Merci. Et le Cour suprême du Canada reçoit environ 500 demandes d'autorisation d'appel par année, mais elle ne peut en accepter que 80 environ. La loi sur la Cour suprême stipule que l'autorisation d'appel doit être accordée lorsque l'affaire soulève une question importante pour le public. Étant donné que la Cour suprême n'est en mesure d'entendre qu'une fraction des causes, quels critères pourriez-vous utiliser pour tâcher de déterminer dans quel cas l'autorisation d'appel doit être accordée? Bien, comme vous dites, la loi dit ce qu'elle a à dire. C'est une question d'importance nationale. Et il y a probablement plusieurs façons de regarder c'est quoi l'importance nationale. Dans certains cas, ça peut être parce qu'il y a un problème, par exemple, en matière de brevets qui affecte toute la profession légale au Canada. Qui a des conséquences sur les inventions au Canada. Et la Cour peut penser que c'est une question qui mérite son attention. Je n'ai pas été à la Cour suprême encore, je ne peux pas vous dire ce que je vais faire. Mais la Cour ne peut pas, évidemment, accepter toutes les causes parce qu'il y a juste 9 juges. Et si elle acceptait 500 causes par année, bien, il y aurait un problème majeur. La Cour doit être sélective. Elle doit tenter d'étonner parmi toutes celles qu'elle voit, quelles sont celles qui vont avoir un impact et lesquelles elle devrait accepter parce qu'il y a des problèmes plus immédiats à régler. Sachant fort bien que certains problèmes qui surgissent aujourd'hui, qui sont peut-être d'importance, mais la Cour... sait que ce problème-là va surgir probablement dans 6 mois, dans 1 an. C'est un problème qui revient et qu'elle aura la chance dans le futur de s'adresser à ça. Je pense qu'il n'y a pas de solution magique à ça. Ça dépend de la nature du problème, ça dépend du type de sujet de droit ou la cause. Mais la Cour, évidemment, doit faire des choix. Elle doit
ne peut pas accepter toutes les causes. Et c'est ça qui est restrictif. Encore une fois, dans un monde idéal, toutes les causes seraient acceptées, puis la Cour les déciderait toutes, mais je pense que ce n'est pas réaliste. Il faudrait probablement avoir 25 ou 30 juges à la Cour suprême, mais ça, c'est un problème. C'est un problème différent. Je pense que la Cour regarde, je suis certain, chacune des demandes d'en appeler, il les regarde, considérant la nature du problème, les problèmes à régler dans l'intérêt du Canada dans l'année qui vient, et tente d'être sélective et de les régler. En plus des causes de droit criminel où il n'y a pas besoin de permission. Et donc, tout ça ensemble, je pense que ça garde la Cour. Je n'ai jamais entendu dire que les juges de la Cour suprême passaient 5 jours par semaine sur la plage. Je pense qu'ils sont très occupés. Et donc, le volume est assez imposant. Croyez-vous, monsieur, que la Cour suprême devrait jouer un rôle pour sensibiliser le public à la primauté du droit? Ou alors, croyez-vous que la Cour devrait s'adresser principalement aux parties en litige et peut-être aux membres de la profession juridique? Bien, je pense que j'ai dit tantôt dans ma petite phrase que la Cour suprême était la gardienne de la règle de droit, et je pense qu'elle le fait en grande partie à travers ses jugements. Et souvent, on critique la Cour d'avoir des motifs trop longs, mais je pense que la Cour le fait de façon admirable dans ses jugements. Elle explique la règle du droit dans tous ses dossiers. Je pense que les juges, et je ne le sais pas, mais je pense que les juges de la Cour suprême, parce que je ne suis pas encore là, je veux dire, Mme Bovin, c'était ce qu'on appelle le slip of the tongue dans ma présentation. Je prends pour acquis qu'il faut passer ici et ne pas faire l'idiot, là. Mais la Cour suprême, les juges de la Cour suprême le font régulièrement. Je pense qu'ils font, en plus de leur travail professionnel comme juge de la Cour suprême, ils sont appelés à aller dans toutes les provinces, à parler aux barreaux, d'expliquer certaines choses. Et ils font ce travail, je pense qu'ils le font régulièrement. Ils sont invités par les barreaux canadiens. Tous les barreaux, ils font un travail de présentation. Ils sont présents dans les universités. Et je pense qu'ils le font toujours sous la réserve que, même quand on va faire des discours ailleurs, dans les universités, il faut quand même faire attention que les propos n'aillent pas trop loin, compte tenu que beaucoup de ces sujets reviennent pour adjudication devant la Cour. Fait que, comme je disais tantôt à votre collègue, il faut faire très attention à ce que l'on dit, même devant des avocats et devant des universitaires. C'est pas le moment d'aller télégraphier ce qu'on pense qu'on va décider dans une cause qui s'en vient. Il faut faire très attention. Et ça, c'est un effort constant. On aime tous parler, on aime tous peut-être s'écouter un petit peu, mais il faut faire très attention à ça. Merci. Merci beaucoup. And Aaron O'Toole, floor is yours. Thank you, Minister. And thank you, Justice Nadon, for your thoughtful commentary and response to our questions, and really for sharing a bit of your own personal narrative and experience. It's appreciated. And I'm a lot like Madame Paclet. It's really a privilege for me to be a part of this process. When I was at Dalhousie Law School a decade ago, we didn't have a hearing quite like this, and I'm honored to be part of one to help introduce you and your experience to parliamentarians and to Canadians. And a few of my colleagues have alluded to one of the dissents, and I actually felt I was back at law school reading all the decisions and reading your dissent, but I think it was a good one. And I'd like you to expand on the role of the dissent, because we have a chamber, a court, the House of Commons near us, where we record not only the government, but the opposition in our Hansard. And I think a well-drafted dissent helps the law evolve. We have a doctrine of precedent, but dissents are an important part of our evolution of the law, and I wondered if you would comment on the role of a dissent. Well, I agree that dissents are important. There are many issues in law where there is more than one way of looking at a problem, more than one way of looking at a legal issue. So dissent serve first to enlighten the majority, because before the judgments actually come out, if we're in a dissenting position, the two in the Court of Appeal, the two that want to go one way,
their draft is circulated to the dissenting judge, and the dissenting judge sends his draft to the other two. I won't reveal any secrets, but it does happen occasionally where the majority changes its mind and goes with the dissent, and the dissent becomes a majority of three, not a unanimous. And sometimes it's the other way around, where the dissenting judge says, okay, you've made comments on my dissent. I think your point is well taken. I won't dissent. And dissent also serve from the Court of Appeal when the case goes to Supreme Court. It serves to enlighten the Supreme Court that the Court of Appeal is not unanimous on this. There are two ways that they see the case. CADR is an example, and I won't get into the merits, but Supreme Court did confirm my decision for slightly different reasons. I'm not going to get to that. I was certainly partly right. But dissents serve that purpose. They go to Supreme Court, and as I said earlier, in a way it's teamwork, because what I found easier, I have to say, in the Court of Appeal is, instead of starting from scratch, I now opened my file and I had a judge who had written a well-written judgment. So I start with that. It makes my life easier. Whether I'll agree or not is a different kettle of fish. In the same way with the Supreme Court, the Supreme Court gets a trial decision, it gets an appeal decision, and maybe a dissent. So it has three decisions on the same issue, which help it understand what's going on. It may inspire them one way or the other, and they may well arrive at a better result because of all these contending issues. Well, judges discuss openly how they view the problem. So I think dissent serve a very worthwhile purpose in our system. It's part of the independence of the judiciary. Being independent of the judiciary is to stand on your two legs, and when you don't agree with your colleagues, that's part of your paid to think and think independently. If you don't agree, you don't agree, and you put your case forward. That's part of the independence of the judiciary. That's why we have no fear when we dissent. We're not going to lose our jobs. We're going to carry on because that's what we have to do. To me, dissents are extremely important. Thank you. My next question you've touched on in response to a number of my colleagues' questions, and the concept of the cloak of mystery of the bench has come up a few times. And you've been on the bench for 20 years now. I'd love your thoughts. We now live in a modern age where instant communication and instant opinion is almost expected. And there's a judge in Ontario that hosts a television show. There are judges that are on speaker circuits. I'm not sure, but soon there may be judges tweeting. I'm not sure. Where do you think the balance is so that the presumption of impartiality and the open mind concept, which we've touched upon, are preserved, while at the same time showing Canadians their system at work and demystifying or pulling back the cloak of mystery as you described it? I don't think there's a cloak. The cloak of mystery, I don't think, is as opaque as it used to be. We've done away with the wigs. In fact, we've never had wigs in Canada. We still have the gowns. As I said earlier, what's important is the protection of the institution. We don't sit in a cafeteria. It would be physically possible, and everyone would come, and it might be easier to access. But we veneer, the institution, the judicial institution, the rule of law. I think we've kept certain traditions to convey the idea that this is not an ordinary place when you come to court. This is a place where we're deciding important issues. This is a place where you expect to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So to a certain extent, I think there will always be some part of mystery. It's like going into an ancient cathedral. You don't feel the same there as you enter a plain, regular building. But on the other hand, I think as we all recognize, the more Canadians understand about the role of the judiciary, the better it is for everyone. And I think the judicial system, through the Judicial Council and various institutes and the various bars, have made great attempts to make the public aware of what's going on. I know that the Canadian Bar Association, every year, I think at its annual meeting,
there's a subsection of judges, they hold a judicial day where the public can ask questions of lawyers. Lawyers go in towns and they have little kiosks and they're asked questions and they try and be helpful to the public and try and explain things. I think it's a constant effort, that we must continue, I think, jointly, all of us who are involved in the legal business. But I just speaking for myself, I think there will always be, and I think, as I say, it's part of the beast, there will be some cloak of mystery surrounding law courts, because I think it has to be to a certain extent, because a courtroom and courts are not an ordinary places. So people understand when they go into a court of law that this is a place that's different from the regular places sometimes they go. I think it has to be to a certain extent too, because the values and the rules that are at stake are so important for our society that it's important. It's like certain traditions have to be kept. I know my answer is not completely satisfactory, but it's a very difficult question to answer. I think we'll continue to struggle with the balance the next decades. Quickly then, with the indulgence of the minister, we've talked about your long career in the federal court, the Federal Court of Appeal. That's also given you unique roles with the Court Martial Appeal Court, as well as the Competition Tribunal. Certainly I, as a lawyer, know about the Superior Propane case. Can you talk about how those highly specialized tribunals will also contribute to your role on the court? Well, a good portion of the work we do, and including the Supreme Court, are appeals or judicial reviews, depending on the level, of decisions made by the various administrative tribunals created by the federal government. For example, the CRTC, which has a daily impact on people's lives, the Canadian Transport Agency, the National Parole Board. We do, in the federal courts, we don't do criminal law, but we do a lot of the decisions coming from the National Parole Board. And I think there are like a dozen or other or more agencies that we review. Well, as a judge, it's important. I've sat in the Competition Tribunal. Competition Tribunal is an agency. It's akin to the Canadian Transport Agency. When you sit there, you're an administrative tribunal. So I've had experience of sitting as a member of an administrative tribunal. It's certainly helped me thereafter to work in cases where I look at the administrative tribunals. I say, well, oh, no, I've been there, I've done this. You can't blame them because this is the way it works. So every little bit helps in this job. I would say everything you've done helps you to become a better judge and to understand all the things that you should understand to be a good judge. As I say, a good portion of the work done by the Supreme Court involves administrative questions arising from decisions of administrative tribunals, which have an impact on on the lives of many, many Canadians. Labor, says the CRTC, the Transport Agency. There are tons of others that don't come to mind, but so thank you. I say every little bit helps in this job. Thank you very much. Well, colleagues, we have now had two full rounds where each member has had an opportunity to pose questions to Judge Nadon. And we have set aside a little more time. So by consensus, what I would suggest we do, not to prolong your agony, is to have now a short round, a question from each party to sort of close out this very unique opportunity to question Monsieur Nadon. So with that, Madame Boivin. Merci. Je pense pas que vous allez qualifier ça d'agonie parce que vous vous en tirez quand même très bien et puis ça vous rappelle probablement un peu vos temps quand vous étiez avocat et vous passiez devant la cour, un petit peu le stress que l'on ressent tous quand on passe devant les différents tribunaux. Jamais, loin de moi d'avoir pensé que vous étiez l'idiot ici devant la... j'espère que vous enlevez ça tout de suite là, de la tête, mais c'était simplement bien mentionné, comme le disait Maître Beaudoin. On est conscient que le processus, c'est de la conversation, c'est d'essayer de vous connaître un peu plus, de vous faire connaître.
Et j'ai trouvé intéressant la plupart des échanges parce qu'on voit un petit peu plus d'où vous venez, votre expertise, que des fois de juste regarder un CV, certaines décisions rendues avec ses limitations, ce n'est pas toujours évident. Ceci étant dit, vous allez arriver à la Cour suprême du Canada et vous allez faire face à la juge en chef, Beverly McLaughlin, qui a une cour, elle a neuf juges, il y a des besoins, il y a des dossiers qui s'en viennent à la cour. Nous, on sait depuis le 11 juin que le ministre de la Justice de l'époque qui a nommé le comité, on a eu les noms, etc., on a pu regarder les membres du comité. Vous étiez dans cette liste-là. Est-ce que vous avez commencé à regarder les besoins de la Cour suprême et comment vous allez vous inscrire à travers tout ça? Au-delà de la question, le droit civil, de quelle cour vous venez, mais de regarder les besoins précis de la Cour. Et quand vous allez vous asseoir avec votre nouvelle juge en chef, vous allez lui dire quoi? Quel est, au-delà du CV, qu'est-ce que vous allez aller lui apporter à ce niveau-là? Bien, je vais certainement lui dire que je suis prêt à travailler le plus tôt possible, que j'ai hâte de commencer. Et je suis certain qu'elle va vouloir que je commence le plus tôt possible parce qu'il y a des dossiers d'importance qui sont sur le plateau. Je présume qu'on va avoir une discussion parce qu'il faut que je sois préparé. Je ne suis pas encore nommé. Il faut que j'aie la chance de regarder les dossiers de façon honnête. Et elle, il n'est pas question d'avoir un juge qui s'assoit là, qui n'est pas préparé. Je ne peux pas vous dire combien je vais avoir besoin de temps parce que n'étant pas parti de la Cour suprême, je ne sais pas ce qu'ils ont. Je sais que la Cour commence la semaine prochaine, mais j'ai délibérément, je n'ai pas regardé ce qu'ils ont. Est-ce que c'est possible pour moi, par exemple, de siéger la semaine prochaine? Je ne le sais pas. Si c'est possible pour moi physiquement de regarder les dossiers de façon approfondie et d'être prêt, je serais prêt à dire oui, mais elle va avoir une bonne idée parce qu'elle est là, elle contrôle ses dossiers. Mais avez-vous regardé vos futurs collègues de la Cour? On sait, par exemple, le juge Moldaver était un spécialiste en droit criminel. Le juge Lebel, qui va se retirer l'année prochaine, avait des spécialités en droit administratif, droit du travail, etc. Avez-vous regardé un petit peu la composition de la Cour puis voir où vous inscrivez à travers tout ça? Je pense que je m'inscris dans beaucoup de choses. Le droit administratif, je pense qu'il y a un journal qui a dit que le droit administratif était notre... pas le bread and butter. En Cour fédérale, on fait du droit administratif toutes les semaines. Et donc, et beaucoup de ces décisions-là sont les décisions sur lesquelles la Cour suprême et M. le juge Lebel, qui a une grande expertise, se sont prononcées. Donc, je peux certainement contribuer beaucoup à ça parce que j'en fais depuis longtemps. J'ai écrit régulièrement sur ces sujets. Je pense qu'il y a une cause qui traite de l'immigration, des lois antiterroristes. J'en ai fait beaucoup de ça, comme juge de première instance et comme juge de cour d'appel. S'il y a des questions de brevets, bien, j'en ai fait beaucoup, des questions de fiscalité. Donc, il y a plusieurs domaines où j'ai touché. Je n'ai pas touché le droit criminel, mais comme je dis, je vais faire ce qu'il faut faire. Je n'ai pas touché à tous les sujets de droit, comme tous les juges. Mais il y a beaucoup de matières où je pourrais opérer très rapidement et contribuer à la Cour. Merci. Thank you. Merci. Mr. Collar, if you please. Thank you, Mr. Chairman. I'm going to return to the Cotter case, not in the way I intended. In other words, to ask you to comment on any Supreme Court judgment or not, but in a different way, in a way as you raise it. As you know, the Supreme Court did conclude that Cotter's rights under international humanitarian law and the Charter were breached, but that it would not order or fashion a remedy, repatriation or otherwise. And on this, you both agreed on that point. But my question is this way. I have to think that you gave us that as one of the five of your judgments to look at, and it was a dissenting judgment, because this case was a very interesting case as a matter of law. I mean, it had brought up issues about the separation of powers, about the role of international law, about the role of the Charter. And it seems to me that maybe there's something that we could learn about you as a judge, and as you say,
It's important for the public to appreciate the work the judges do. What is it in this case that you gave us to look at that tells us something about you as a judge, your view point of order, Mr. Chair. Of the law? I think, quite frankly, that's outside the scope with all due respect of what Judge Baudouin has laid out. I mean, I don't think the question is appropriate. Well, I'm inclined to let Mr. Justice Nadon, as we have seen throughout the afternoon, decide whether he feels comfortable speaking about himself, but without delving into the actual decision and any reflections that might have on future matters that could come before him. I think, Mr. Goff, you're right. There were two issues. Supreme Court agreed with me on one. I don't think they agreed on the other one. But that's how, all I can say, that's how I wrote it. You've read the reason. That's how I saw the file, bearing in mind the facts and the legal issues. To me, they didn't agree with me on that. And no, I'm not concerned with the Supreme Court. I felt that you gave us that as one of the five cases. Yeah. Because, and I thought you wrote a very comprehensive opinion, mm-hmm. because it maybe this judgment that you offered us was because you wanted us to know more about you as a no, judge, I, and that's I, what I'm asking. Well, I think about. It was an interesting judgment, yeah. And we were asked to give a case on either criminal or the anti-terrorism, and that's one that came to mind, because in the Court of Appeal, we've done a few. We haven't. That was the most important one that we did on those issues, and that's the one I sent. What it reveals about me, I think, is, well, I said what I had to say in that case. That was my assessment of the case and how it should go, and I really can't say any more on that. Let me just, if I may, a general legal question, because that case, as you say, you bring to the court a repository of expertise in administrative law, and many cases touch on the questions of administrative law. But the court is increasingly engaged as well, not only in charter law, but in the application of international law to domestic law. That case and others brings that point up. How do you see the relationship between international law and domestic law? Well, I think the Supreme Court has made it clear in many decisions that when Canada signs treaties, the court will consider those treaties in interpreting our own law. And I think it's made that clear in Baker and many other cases that when you and I were at law school, the rule was if the government has not enacted legislation giving effect to the treaty, well, judges would never consider that. The court has now gone beyond that, as I say in Baker and many other cases, that to a certain extent the treaty will inform or will help the court interpreting our own statutes and our law. And I think that's where we are now. I think that issue is still in flux. I think in the next few years, I think there will probably be many cases that will arise and where the court will have to say something about that issue, whether it's going to be staying where it is or moving forward. So I'd rather not say more than that, because I think that's where we are now. But I understand. I've read, as I must, the Supreme Court decision. I think that's the state of the law as we now stand. Whether it'll go forward or not, I'd have to hear the arguments and take a stand at that point. Okay. Thank you. Merci. Merci bien. Monsieur Gauguin, les finalement à vous. Monsieur le ministre, Monsieur le juge, Madame Boivin vous a demandé tantôt où est-ce que, sur quelle ligne de l'équipe de hockey vous joueriez à la Cour suprême, je ne sais pas si ce sera ailier ou centre. J'ai l'impression que les causes qui vous seront assignées seront ceux que la juge en chef vous assignera. Mais il y a certainement une chose qui est certaine, vous avez eu beaucoup d'expérience comme juge de première instance, et puis vous avez dit tantôt que ce serait essentiel pour un juge de la Cour d'appel d'avoir siégé comme juge de cour de première instance, parce qu'on voit où les morceaux du casse-tête se viennent ensemble. Alors, est-ce qu'à votre avis, ça va vous aider également lorsque vous allez à la Cour suprême? Et est-ce qu'il y a certains défis que vous anticipez lors de votre accession? Mon défi, c'est d'écrire des bons jugements et d'être respecté par mes collègues, et j'espère que je les aiderai eux-mêmes à rendre de meilleurs jugements.
Il n'y a pas de doute que, même pour la Cour suprême, d'avoir des juges qui ont siégé en première instance est d'une grande utilité. Comme je disais tantôt, à tous les niveaux, on apprend quelque chose qui sert à la Cour ultime, qui est la Cour suprême. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui seront en désaccord avec ça. Et en général, c'est ce qui s'est passé, je pense, dans notre système. Il y a des exceptions. Il y a des Wayne Gretzky, puis il y a des Maurice Richard de temps en temps, et ceux-là font Gordia. Exception. Pardon? Gordie Howe, je voulais pas le dire. Gordie Howe était un de mes héros, et ce qui implique que j'en suis pas un. mais je pense que tout ça, c'est utile. On ne devient pas de juriste du jour au lendemain. Et j'ai souvent dit à des amis, quand je suis devenu juge, je pensais que j'étais un très bon juriste, j'espère que je l'étais, mais après 2-3 ans comme juge, j'ai réalisé qu'à quel point je l'étais devenu meilleur juriste, et aujourd'hui, la même chose. C'est l'expérience, le temps, on apprend, parce que c'est pas juste le droit, c'est la façon d'aborder les problèmes, de regarder. Tout ça fait de nous de meilleurs juristes. Et d'être en contact, à la Cour d'appel, un des grands bénéfices, on ne décide pas seul, on est trois. Et donc, ça nous rend, en fait, on est meilleur parce que on siège avec d'autres personnes qui sont très compétentes, et la Cour suprême, évidemment, c'est la même chose. Donc, tout ça nous rend meilleurs et nous amène à avoir de meilleures décisions. Merci. Bon succès. I thank you very much for what I think were some very enlightening questions, very respectful questions that were presented here. I think this entire process has been very helpful, as several have commented on, giving Canadians a better understanding not only of who sits and aspires to the Supreme Court of Canada, but as Judge Nadon has said, the quality of the jurists that we have in this country, which is exceptional. I would now defer to Jean-Louis Baudouin to give us some concluding remarks before we wrap up this committee session. Monsieur Baudouin. Monsieur le ministre, je ne voudrais pas prolonger indûment cette réunion, mais je veux simplement constater d'abord que le processus s'est bien engagé, le processus a bien roulé. Il y a maintenant une certaine jurisprudence qui s'est faite et je vois que, au fond, la focalisation des questions a été absolument parfaite. Il y a aussi quelque chose qui me paraît être un grand mérite du processus, c'est de, grâce à la télévision maintenant, de permettre à l'ensemble des Canadiens de mieux connaître le juge Nadon et surtout peut-être de susciter des vocations en droit chez des jeunes. Je me permets à mon tour alors maintenant de féliciter Maître Nadon, de lui souhaiter bonne chance dans cette nouvelle étape de sa carrière. Et sur une note plus personnelle, d'espérer que le travail qu'il aura à la Cour suprême lui permettra quand même d'améliorer son handicap au golf. I hope it doesn't. je vous remercie à tous pour votre présence et votre travail, certainement. I want to thank everyone here, including our interpreters, all of the table staff here, the clerk, for what I correctly deem a very important dialogue and very, very important process that I hope will remain a precedent. Most importantly, I want to thank Mr. Justice Nadon for being here, for subjecting himself to these questions. I hope it was not akin to being in the dentist chair. I hope that that this was also a reflection of the interest of parliamentarians and Canadians in the pinnacle to which you are about to achieve in judicial terms. I might just say as a personal comment, we appreciate very much your humor, your humility, and showing a very human side to the bench, including your hockey prowess, which I think endears you to many Canadians, although your choice of team may lead some to question your judgment. You have chosen a winning team. So I thank you very much. And I thank you as well for your public service that you have already demonstrated over the years, and to your family, who I'm sure are extremely proud
as Mr. Gauguin has said, c'est un jour extraordinaire pour vous et votre famille. Et certainement, vous êtes une Canadienne exceptionnelle. So we wish you the very best, sir. We will no doubt be hearing from you, although we will probably be reading your decisions as opposed to hearing from you direct. But we're very, very grateful for your frank and informed responses here today. Merci beaucoup. And with that, we'll conclude this session. Thank you.